السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes le samedi 27 Safar 1435 de l'Hégire, correspondant au 20 décembre 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes à les trois fondements. Naam, al-salatat usul, le neuvième cours. Donc on avait vu qu'il y avait quatre choses yani à apprendre et à faire. Yani, la première, c'était de connaître. Connaître yani Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, connaître la religion. Et la deuxième des choses, c'était qu'il fallait appliquer. Appliquer ce qu'on a appris. Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre comme ça, comme les juifs, qui connaissent bien, mais ne pratiquent pas. Donc, on a vu que celui qui connaît et ne pratique pas s'est fait ressembler aux juifs. Et que celui qui pratique et ne connaît pas, n'a pas de science, se fait ressembler aux chrétiens. Donc, la science. Ensuite, la pratique, la mise en pratique. Ensuite, le prêche. Inviter les gens à quoi? À cette religion. À quoi ça sert? Ce n'est pas bien d'être quoi? D'être égoïste. Ce n'est pas bien d'être égoïste, de vouloir que ce soit seulement toi qui sois préservé de l'enfer et seulement soi et seulement toi qui aille au paradis. D'ailleurs, le prophète Adam a dit dans un hadith authentique que yani, personne n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ensuite, si jamais la personne apprend, pratique et ne prêche pas aux autres, donc yani, tout son entourage ne va rien, yani, disons, ça ne va pas lui être utile. Ça ne va pas être utile donc à ton entourage. Monte à les faire ainsi, c'est-à-dire apprendre et s'enfermer chez soi pour pratiquer, c'est tout, sans faire la da'wa aux autres. Donc, moi, mon entourage, je ne vais pas leur être utile, et toi, la même chose, et l'autre, la même chose. Ensuite, donc, toute la société va devenir corrompue, parce que personne n'a montré aux autres ce qu'il faut faire, ni n'a interdit le blâmable, ni n'a fait le prêche aux autres. Et la quatrième des choses, qui est quoi? Qui est la patience. Toute personne qui commence à faire le prêche, hein, aura qu'elle le veuille ou pas, aura des entraves, des persécutions, des problèmes. Donc ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dehors dans la rue, ça peut être yani, un mohim. Où tu fais dawa, il faut attendre, hein, qu'il y a des ennemis, qu'il y a des détracteurs, qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Car la da'wa, quand tu la fais, en général, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord parce que tu veux freiner leur passion. Tu veux freiner leur tentation. Eux, ils ont des passions, ils ont des tentations, ils vivent pour elles, ils voudraient profiter au maximum. Et toi, tu viens leur dire que maintenant, que cette chose n'est pas halal, non, cette chose est haram, hein? Donc c'est normal que tu aies des problèmes. Pas tout le monde accepte de toi. On va voir de toi que tu es un frein, tu es un quelqu'un qui fait des problèmes, tu es un peut-être même un ennemi. Tu vas devenir un ennemi de leur shaitan.
C'est pour cela qu'il est demandé de patienter. Ensuite, on avait vu que la patience se divisait en trois groupes. La patience dans l'obéissance à Allah Ta'ala, la patience face aux interdits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et la patience face aux décrets d'Allah Azzawajal, comme les malheurs et yani, tout ce qui nous arrive, bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. La preuve de cela, la preuve réside dans la parole d'Allah Azzawajal. Wal-asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement mutuelle la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience, l'endurance. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, quand il a dit la preuve, il a dit, concernant les quatre étapes mentionnées ci-dessus, la preuve se trouve dans la parole d'Allah, par le temps, ou l'asr. Allah Azza wa Jalla dans cette sourate par le temps au cours duquel se déroulent toutes choses, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. Donc Allah Azza wa Jalla a juré par le temps. D'autres savants ont dit Allah Ta'ala Azza wa Jalla a juré par la salat, car en arabe, c'est wal-asr, inna l'insana ala fi khusr. Certains ont dit il a juré par la prière de l'asr. Et donc, quelle est donc la sagesse s'il a juré par la prière de l'asr? C'est pour vous dire que Allah Azzawajal, en général, Allah Ta'ala ne jure jamais. Il n'a pas besoin de jurer. C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça veut dire que la chose est grave. Allah Azzawajal ne jure pas sur une chose banale. Ne jure pas, yani, pour dire que. Par exemple, les bananes ont un bon goût. Ah, non, ils ne jurent pas sur ça. Mais ils jurent sur des choses qui ont vraiment, vraiment, vraiment de l'importance. Et que si on ne les fait pas, on ne prend pas attention, yani, on a fait des choses très, très graves. Donc certains savants ont dit il a juré par la prière de l'Asr. Pour dire aussi quoi? Pour dire que la prière de l'Asr est très, 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 très. Elle a un très, très, très grand statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, toutes les prières ont un grand statut, les prières obligatoires, mais spécialement aussi la prière de l'Asr. La prière de l'Asr est très importante, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, a dit que quiconque la rate, quand on dit la rate, c'est-à-dire l'Asr au moment, c'est-à-dire le soleil se couche et il ne l'a pas faite, celui-là pour les. Quant à celui qui n'est pas excusé, il n'a pas le droit d'attendre jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Tant que le soleil est blanc, hein, tu peux retarder la salat l'asr. Une demi-heure, 1 heure moins quart. Mais si jamais maintenant le soleil a jauni, tu as des péchés. Quant à l'excusé, il a jusqu'au coucher du soleil. Si maintenant le soleil se couche, là, il n'a aussi plus de péchés. Et qu'est-ce que je disais, dans un hadith authentique, le prophète islam a dit que celui qui ratait la salat al-asr, il a dit, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille, tous ses biens. Allahu Akbar. Dans un autre hadith authentique, il a dit, habita amalu. Il a dit, ses actions sont vaines. Ses actions sont vaines, sont nulles. Ses actions, c'est-à-dire ce qu'il a fait, est nul. Et Ibrahim rahimahullah a dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ses actions sont nulles. Le prophète, alayhi salam, parlait de quelles actions? Est-ce que, depuis qu'il est devenu pubère, c'est-à-dire il a commencé à prier, etc., ou bien il parle du jour, le jour où il a délaissé salat, ce jour-là, ses actions sont vaines. Est-ce que c'est donc la première supposition, la deuxième? Ensuite, dans tous les cas, c'est si c'était seulement les actions du jour, c'est déjà grave. Alors, qu'en est-il si c'est la deuxième supposition? Si c'est yani, depuis que la personne a commencé à appliquer, même ses actions sont vaines. Donc, vraiment, yani, pour ceux et celles qui délaissent comme ça des salats et ne prient pas jusqu'au soir, et l'autre qui ne prie pas la prière du Maghrib Isha jusqu'au matin, et l'autre celui qui prie salat Subh, salat la prière du matin,
Il l'a pris à 8 h du matin, à 9 h et à midi, et comme ça, tout cela, ils font des choses très très graves. Mais ils ne savent pas. Mais ce sont des djouhels. Il dit ici, Allah Azzawajal, Cheikh Ibn Uthaymeen, dit Rahimahullah. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, Rahimahullah Ta'ala, prend de l'avis de Al-Asr ici, que c'est quoi? C'est yani, le temps. C'est le temps. Donc, il dit ici, Allah Azzawajal jure par le temps que les êtres humains, tous les êtres humains, courent à leur perte, sauf ceux chez qui sont les quatre caractéristiques suivantes. La foi, les bonnes œuvres mutuelles, la recommandation mutuelle à la personne. Donc, toutes courent à quoi? À leur perdition. Tous, ils courent à leur perdition. Sauf l'être humain qui applique quatre conditions. Il a la foi, il a les bonnes œuvres, il recommande le bien et il recommande la patience. Et il recommande la patience. Ibn Allah Ta'ala a dit, la lutte, l'âme, la lutte contre l'âme, c'est-à-dire jihad nafs, comporte quatre étapes. La lutte contre l'âme, jihad nafs, comporte quatre étapes. Car en fait, le jihad, c'est plusieurs sortes. Il y a le jihad des hypocrites. Non. Il y a le mubtadi'a. Et il y a le jihad de qui? Le plus important, parmi les plus importants, le jihad de nefs, de l'âme. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim a dit dans un de ses livres, il a dit, c'est étonnant, comment certains prétendent faire le jihad, le premier, le jihad des kuffars et contre les ennemis, alors qu'ils n'ont pas fait de l'ennemi qui est sur leur flanc, côté droit, côté gauche. Il a dit, qu'est-ce que tu as entre le côté droit et côté gauche? On a notre nefs qui se trouve dans nos corps, dans notre corps. Il a dit, c'est étonnant que certains prétendent, Zama, qu'ils font le djihad, le grand djihad, alors qu'ils n'ont pas fait le djihad nefs. Non, djihad nefs. Il peut même pas arrêter la cigarette. Pour Allah, c'est pas pour tel roi qui m'a dit, je te donne une villa et je ne sais pas quoi si tu arrêtes la cigarette. Non, pour Allah, subhanahu wa ta'ala, qui m'a créé. Et je vis avec Yanné tous ses biens. C'est bien à lui. Et qui m'a promis le paradis. Il m'a dit, arrête la cigarette. C'est haram. Je ne peux pas arrêter. Il ne fait même pas des efforts. Il ne fait même pas des efforts. Donc, il ne peut pas arrêter la cigarette. Il ne peut pas arrêter la musique. Il ne peut pas arrêter de voir le haram avec ses yeux. Et il te dit, je vais aller en Syrie faire le djihad. Et je vais aller en Irak faire le djihad. Quel djihad? Quel djihad? Tu n'as pas fait le djihad à toi-même. Toi, tu es. Si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, peut-être il va te jeter en enfer. Alors comment tu vas faire l'autre djihad? Commence par ton nefs. Quand tu mates ton nefs, tu peux faire le djihad. Là, tu peux aller faire le djihad. Et maintenant, tu n'as pas pu mater ton nefs, yani qui est entre tes flancs. Entre tes flancs. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit. Le djihad comporte quatre étapes. La lutte contre l'âme, djihad nefs, comporte quatre étapes. Premièrement, il a dit, lutter contre son âme afin qu'elle apprenne la nature et la religion de la vérité sans laquelle il n'y a point de réussite. Dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Djihad nefs, il y a quatre sortes. Donc je dois lutter d'abord contre mon âme, afin qu'elle apprenne la droiture et la religion de la vérité, sans laquelle, il a dit, sans laquelle il n'y a point de réussite ni de bonheur dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Non, si maintenant j'ai pas pu mater
mon âme pour qu'elle apprenne la droiture. Et elle apprenne la religion, la vraie, l'islam. Non. Et qu'elle apprenne, yani, comment prier, comment faire ceci. Comment... Non. J'ai tout raté. Non. Donc, mon âme et l'âme je ne sais pas, d'un animal, il n'y a pas de différence. Car les deux, on mange, les deux, on boit, les deux, on assouvit nos passions et nos tentations, et les deux, on dort. Donc, quelle est la différence entre moi et l'animal? Mais moi, Naam, Alhamdoulilah, je veux différer, je veux différencier de l'animal. Donc, je dois quoi? J'ai un message. J'ai un message que je dois suivre. Naam, j'ai une religion que je dois appliquer. J'ai une nefs, j'ai une âme que je dois mater pour qu'elle devienne soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Car toute âme, Allah Ta'ala l'a créé pour qu'elle soit soumise. Seulement elle choisit. Ou bien être soumise à Allah Ta'ala, ou bien être soumise au shaitan, et aux passions et aux tentations. Il n'y a pas une personne qui n'a pas d'âme soumise. Il n'y a pas. L'âme a été créée pour soumise. Choisie. Ou bien. Alors on dit ça pour les personnes qui disent oui, mais Annie, quand je vais me soumettre, Annie, c'est difficile, ceci, cela. Non, tu ne peux pas te soumettre à Allah, tu es soumis au shaitan. Tu ne veux pas être commandé par Allah, par ses lois, par. Non, tu es au shaitan. C'est lui qui te guide par ton nez ou là, par le bout du nez. Il fait de toi ce qu'il veut. Non, il t'emmène où il veut. Non, il fait de toi ce qu'il veut. Là, au moins, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, pas le shaitan. Taïeb. Deuxièmement. Donc, je reviens premièrement, il a dit, lutter contre son âme afin qu'elle apprenne la droiture et la religion dans laquelle il n'y a point de réussite, ni de bonheur dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Non, la dernière phrase, sans laquelle il n'y a point de réussite, ni de bonheur dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Wallah el adim, wallah el adim, wallah el adim, trois fois. Qu'il ne peut exister quelqu'un d'heureux sans l'islam. Vous allez dire, mais il y a des gens, on les voit heureux. Quel bonheur! Quel bonheur! Toi, tu les vois heureux. Heureux combien de temps? Heureux quand ils se saoulent. Heureux à la minute où il est en train de danser. Heureux à la minute où il plaisante et il joue et ceci, cela. Mais il souffre. Il souffre vers dans son cœur. Il est pris de la dépression, si tu le connaissais bien. Non. Il est malade de santé. Son cœur, âme, rangé, rangé. Allah Ta'ala fait de sorte que quelqu'un qui ne lui obéit pas, il ne laisse jamais son cœur apaisé. Jamais, jamais son cœur apaisé. Non. Une seconde, je vais vous chercher un verset ici qui a rapport avec cela. Regardez ce verset qui va venir, ça va vous donner une idée, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Programme, من يريد الله ليهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره j'écris يشرح peut-être qu'il va me donner الحمد لله regardez ce verset فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في ورش حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس أنون Regardez en français, ça va donner à peu près, traduction rapprochée, l'An'am 125. Et puis quiconque Allah Ta'ala veut guider, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et voilà le témoin. Et quiconque Allah Ta'ala veut égarer, qu'est-ce qu'il lui fait? Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Allah Azzawajal inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Allahu Akbar. Une grande punition pour celui qui ne croit pas. Celui qui croit, que lui fait Allah Azzawajal? S'il veut le guider, donc il lui ouvre la poitrine à l'islam. Tu as ta poitrine. Masha'Allah, tu la sens vaste, vaste, vaste. Masha'Allah, à cause de la foi qu'il y a à l'intérieur et le fait d'être illuminé. Illuminé. Et quiconque Allah Ta'ala veut égarer, les égarer, qu'est-ce qu'il leur font? Qu'est-ce qu'il leur fait? Qu'est-ce qu'il leur fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il rend sa poitrine étroite et gênée. Toute personne qui est dans l'égarement, automatiquement,
Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran que quoi? Elle a une poitrine étroite. Étroite. Quand tu as la poitrine étroite et gênée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir, yani, tu te sens malheureux, tu te sens mal à l'aise. Gêné, il a dit gêné. Et ça peut finir par quoi? Par la dépression. Et ça peut finir par le suicide. Combien de milliardaires, oh combien d'archi-milliardaires se sont suicidés? Oh combien de multi-billionnaires et milliardaires, c'est pas milliardaires, non, se sont suicidés. Pourquoi? La poitrine étroite et gênée. Subhanallah l'adhim. Le croyant, il n'a aucun sou. On l'a licencié du travail. Et un peu de lait. Ils sont là et il a la poitrine comment? Il a la poitrine large. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert sa poitrine. Là, ils sont toujours le cœur apaisé. Masha'Allah, je patiente pour Allah. Et après tout, je ne mange pas ici. Qu'est-ce qui va se passer? Maximum, je meurs. Si je meurs, Inch'Allah, c'est le paradis qui m'attend. La rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les délices qui m'attendent. Là, mais l'autre, non. Pourquoi j'ai été créé? Je ne sais pas. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette injustice? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Pourquoi je suis pas heureux? Je suis pas heureux. Et il se suicide, a'oudoubillah. Il a dit ici, il rend sa poitrine étroite et gênée. Regardez le Coran, ce qui prouve que ça n'a pas été écrit par le prophète, a.s.w. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Comment? À cette époque, le prophète, a.s.w., comment savait-il que quand on monte au ciel, puis on monte, donc on a la poitrine étroite et gênée. La preuve, quand on monte dans l'avion, déjà, s'il n'y avait pas y de l'oxygène à l'intérieur ou je ne sais quoi, on serait tous morts. Alhamdoulilah. Donc plus la personne monte vers le ciel, plus il y a plus d'oxygène, il y a un manque d'oxygène. Donc, ou comment le professeur Islam avait-il cela? Si ce n'est pas que ça vient d'Allah Azzawajal, qui sait que quand quelqu'un monte vers le ciel, qu'est-ce qui lui arrive? Sa poitrine devient étroite et gênée. Allahu Akbar. Coran, Allahu Akbar. Alhamdulillah, ala hadhihi. On revient donc où ce qu'on était. Une seconde. Une seconde. Une seconde, donc je dois Allah Ta'ala me une seconde, peut-être je dois me reconnecter. Non, je vais me reconnecter une seconde sur le programme. Allez, une seconde, car quand j'ai cherché le verset, une seconde. Donc on revient à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit, lui, premièrement, le djihad neuf, c'est quoi? Il a dit, premièrement, une seconde ici. Une seconde, je suis avec le programme. Alhamdoulilah. Donc il a dit, lutter contre son âme, afin qu'elle apprenne la droiture. Et la religion de la vie, il n'y a point, non, il n'y a point de bonheur dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Deuxièmement, toujours dans lutter contre son âme. Je lutte pourquoi aussi? Lutter contre son âme pour qu'elle mette en pratique ce qu'elle a appris. Non. Tu apprends combien de temps? Des années que tu as appris que, par exemple, c'est sunna de jeûner le lundi ou le jeudi. Et dans ta vie, de ta vie, tu n'as jamais jeûné un lundi ou un jeudi, fisabilla. Subhanallah al-Azim. Ça fait des années que tu sais que c'est sunna de jeûner 13, 14, 15 des mois arabes. Tu n'as jamais dans ta vie, même pas une fois, jeûné 13, 14, 15. Et comme ça. Donc, toi, tu mets pas en... Tu apprends pour apprendre. Ou peut-être pour qu'on dise cette personne a appris. Troisièmement, lutter contre elle, lutter contre son âme, pour qu'elle invite les autres à la religion d'Allah et l'enseigne à qui l'ignore. Comme on a dit tout à l'heure, je dois lutter
contre mon âme pour qu'elle invite les autres à la religion d'Allah et l'enseigne à qui l'ignore. Je commence par les plus proches. Ensuite, c'est un cercle comme ça qui commence à s'étendre. Je commence par yani, moi-même. Naam. Je commence par moi-même. Ensuite, ma famille, les proches qui sont avec moi dans la maison. Naam. Ensuite, si je peux, les voisins. Et comme ça, et ça commence à s'étendre. Ensuite, ceux qui travaillent avec moi. Ensuite, les amis. Et comme ça. Et ça s'étend. Si tout le monde faisait comme ça, tout le monde faisait comme ça, naam, combien de biens se propageraient. Et si tout le monde faisait le contraire, chacun va dire, moi, ça me suffit que j'ai appris. Maintenant, je vais m'enfermer et je vais prier toute la nuit et jeûner toute la journée et lire le Coran du matin au soir. Mais je ne montre à personne ce que j'ai appris. Le bien va rester seulement à mon niveau. À quoi ça sert? Certes, tu as des récompenses pour avoir appliqué, mais tu n'as pas, peut-être même que tu as des péchés. Peut-être même que tu as des péchés si tu n'as pas montré aux gens alors qu'ils étaient dans le besoin. Alors que tu vois toi cette personne qui est en train de prier d'une façon fausse. Et tu ne lui fais pas nasiha avec douceur et hikma. Non, tu ne fais pas nasiha du tout. Même si c'est avec violence, tu fais pas. Non. Tu ne lui montres pas que c'est pas comme ça qu'on prie. C'est pas comme ça qu'on prie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'a cité Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre, Sifat Salat al-Nabi, la prière du prophète, alayhi wa sallam, il a dit authentique. A vu quelqu'un, quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il picorait, naam, dans son sujoud. Naam. Yani, comme un coq lorsqu'il commence à picorer les grains. Ça veut dire que il ne termine pas bien le sujoud. Non. Vite. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en ce sens, hein? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si cette personne meurt, cette personne-là qui est en train de prier, elle ne mourra pas sur la religion de Mohammed. Très grave. Très très grave. C'est pour ça les selfs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont toujours dit, si tu veux savoir quelqu'un, c'est quoi, yani, est-ce qu'il est sur la guidée ou sur l'égarement, yani, c'est quoi exactement son statut? Regarde seulement comment qu'il prie. Naam, regarde, je donne un exemple. Ils vont dire, ce soir dans la mosquée, il y a quelqu'un, un grand savant qui est venu pour donner les cours, ceci, cela, masha'Allah. Masha'Allah, il est venu le grand savant. Je rentre dans la mosquée, je vois seulement comment qu'il est en train de prier. Naam. Il prie par exemple les mains, il ne met pas la main droite sur la main gauche. Par exemple, il va mettre la gauche sur la droite. C'est un exemple. Il va mettre ses deux mains au-dessous du nombril. Ou bien à droite et à gauche sur ses hanches. Il ne va pas mettre la main droite sur la main gauche. Ensuite, quand il se lève pour dire Sami Allah liman hamida, Rabbana lak alhamd, il va regarder le ciel. Au lieu de rester, de garder toujours le regard vers le bas. Non, il regarde avec ses yeux. Ensuite, il descend, l'akbar, il picore. Ça, c'est un savant. Ça, c'est pas la peine que je lui assiste. C'est pas la peine que j'assiste à ses cours. J'ai déjà compris. J'ai compris. C'est quel d'homme celui-là. Regarde seulement toi, autour de toi, et regarde des gens, comment qu'ils prient pour savoir si vraiment cette personne y en est, a de la science et que. Yani elle sait ce qu'elle fait, ou bien, comme on dit, un suiveur. C'est quelqu'un qui, yani, on a fermé les yeux, il fait n'importe quoi, il imite les gens. Donc, pourquoi je disais cela? Attendez, pour que je ne perde pas le fil, j'étais en train de dire la salat. Eh, non. Donc, je disais, si moi je vois prier et faire des fautes dans la salat, et je ne lui montre pas, je ne lui dis pas comme ça gentiment, salam alaykoum salam, kif alhamdulillah, etc. Je voudrais juste dire une chose, comme a dit le prophète sallam, dinun nasiha. Mais ça ne veut pas dire que je connais mieux que toi ou là. Yani, nous tous on fait des fautes. Chauffe, tu as fait comme ça, alors le hadith dit comme ça, jazakallahu khairan, c'est parce que je t'aime, je te dis comme ça, comme j'aime le bien à moi-même, je l'aime aussi à toi. Ou salam alaikum. Voilà, je lui ai montré. Toi, tu vois des choses et des choses fausses, tu corriges pas. Non. Donc, tu n'invites pas les gens à la religion.
tu les laisses comme ça, yani, faire des choses fausses. Ensuite, il a dit, troisièmement, lutter contre son âme pour qu'elle invite les autres à la religion, on l'a vu. Quatrièmement, lutter contre son âme, pourquoi? Pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication et face au mal causé par les gens, en supportant tout cela pour Allah. Je répète, c'est possible d'écrire cela, lutter contre son âme pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication et face au mal causé par les gens en supportant tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abdelaziz, moi aussi je vais rentrer dans le programme pour faire sortir un verset. Je n'aurai plus ensuite l'occasion d'afficher ce que je veux. Cherche-nous le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Écrit Wa'mur bil ma'ruf, ou wanha 'anil munkar, ou wasbir 'ala ma asabak. Et donne-nous, inshallah, le verset en arabe et en français. Je disais, donc il faut lutter contre son âme pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication. Les difficultés, il a dit ici, de la prédication. Naam, faire le prêche, naam, ce n'est pas tout le temps facile. Et il a dit, et face au mal causé par les gens, en supportant tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais le prêche, il faut t'attendre à ce que il y ait un nid du mal et que certains gens te causent du mal. Naam. Et la plupart du temps, ce mal provient du hasad. La plupart du temps, il provient du hasad. Parce que les personnes, de tout temps, ça a été comme ça. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, depuis qu'il faisait la da'wah, on a cessé de lui faire des problèmes jusqu'à ce qu'il soit emprisonné deux ou trois fois et finalement meurt jusqu'à ce qu'il soit mort dans la prison. Subhanallah, mort en prison. Naam. Pourquoi? Parce que ceux qui sont de son âge, ou alors de son niveau, naam, ils vivent en même temps que lui, disent comment se fait-il celui-là? Il a atteint ce statut, maintenant tous les gens viennent s'asseoir à lui, des gens viennent d'Est, de l'Ouest, presque, je ne sais où. Si c'est possible, ils sortent de la terre, ils viennent s'asseoir à lui. Ils ont dit, c'est trop, comment nous, lorsqu'on fait une halqa ou une assise, ils assistent seulement 30, 40, 50. Non. Lui assiste des centaines, voire des milliers. Chrétien qui venait assister. Allah, on passe lui là. Adversif. Mais Malish, si tu n'as pas pu, Malish. Non, tu n'as pas pu, Malish. Je répète encore une fois le verset, peut-être que tu pourras, inshallah ta'ala. Voilà, le verset dit Wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Dans Sourate Luqman. Où il lui a dit Inna dhalika min azmi al-umur aussi. Si tu n'as pas trouvé, ma'alish. Si tu n'as pas trouvé, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Donc, il a dit, difficulté de la prédication face au mal causé non, par les gens. Maintenant, si à chaque fois que quelqu'un commence à faire la prédication, et tu dis par exemple à quelqu'un, tu lui dis, voilà, cette chose, c'est pas comme ça, ou c'est haram ou là, par exemple, il va t'insulter, ou je ne sais quoi, tu vas dire, donc j'arrête da'wa. J'arrête da'wa, je m'enferme chez moi. Donc, dans ce cas, non, tu es en train de faire la da'wah à toi-même. Tu fais pas la da'wah à Allah. Si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut endurer. Il faut endurer. C'est pour ça qu'il a dit à la fin, en supportant tout cela pour Allah. En supportant tout cela pour qui? Pour Allah. Toi, tu fais ça pour Allah. Tu n'es pas payé par les gens ici. Tu n'es pas payé par les gens. Non, mais tu fais ça parce que Yom al-Qiyamah, tu auras ta récompense, bidnillah ta'ala, et quelle récompense? Qui va te la donner? Ce n'est pas tel ou tel roi, mais Malik al-Mulouk, le roi des rois. Non, c'est lui, Azza wa Jal, qui va te donner, yani, ta récompense pour avoir prêché et pour avoir quoi? Pour avoir patienté.
Ensuite, il y a une chose très importante. Il n'y a pas une personne qui a fait, disons, da'wa pour Allah Ta'ala sincèrement et on lui a fait du tort et a patienté sans que Allah Azzawajal ne l'élève en degré. Sans que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne l'élève en degré. Non. Prenons seulement le cas de l'imam Ahmed, rahimahullah Ta'ala. Non, l'imam Ahmed, rahimahullah Ta'ala. Quand on lui a dit, au temps du Ma'moun, qu'il faut dire que le Coran a été créé. Et il a quoi? Il a patienté pour Allah Azzawajal et a dit le Coran est la parole d'Allah. Il n'a pas été créé. On l'a fouetté, miskin. On l'a, comment on dit, enchaîné avec des chaînes. On l'a fouetté. Non. On lui a dit, reviens de cette parole. Il a dit, non, je ne reviens pas. Le Coran n'a pas été créé. C'est la parole d'Allah Azzawajal. Et j'ai dit, on l'a enchaîné, on l'a fouetté. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Allah Azzawajal l'a élevé en degré dans la dunya et dans l'au-delà. Dans la dunya, quand Ma'moun est mort, ensuite Moutawakkil aussi est mort, ou bien l'Ouathiq. Non, parce qu'il y avait le Mu'tasim, c'est Moussa qui lui a fait du tort. Ensuite, il y a l'Ouathiq. Non, je pense que non. Il y a l'Ouathiq aussi qui lui a fait du mal, ensuite est venu le Moutawakkil. Non, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Subhanallah. Il l'a ramené vers lui, rapproché de lui, l'a élevé. Non, l'a élevé, lui a dit, yani maintenant, fais la fatwa, parle, fais la prédication. Non, dis que la parole d'Allah n'a pas été créée. Non, tu as le feu vert. Non, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, bi'idhnillahi ta'ala. Non, ça c'est dans la dunya. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait de lui quand il est mort? Il est devenu qui? Yani, le symbole de Al-Sunnah al-Jama'a. Quand on parle des imams, il y a quatre grands imams. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, par ordre, par ordre. De ces quatre, quand on dit imam ou Al-Sunnah al-Jama'a, on veut dire qui? On veut dire l'imam Ahmed, pas les trois autres. Alors que les trois autres sont des grands savants. Mais c'est l'imam Ahmed rahimullah qui a été la cause. L'âme. Il a patienté face aux épreuves et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à Ahl Sunnah wal Jama'a sur les Mu'tazila et les Jahmiya. Naam. Subhanallah al-Azim. Mais c'est une question de patience. C'est une question de patience. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, si ces quatre étapes sont parfaitement respectées par le musulman, il fera alors partie des Rabbaniyoun. Fin de citation. Il fera partie des Rabbaniyoun. Rabbaniyoun, comme dans le commentaire, il dit, c'est celui qui inculque les bases de la science religieuse avant d'aborder les questions plus complexes. On dit d'un savant qu'il est Rabbani et pluriel. Rabbaniyoun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le savant qui, lorsqu'il il commence par des choses simples et commence à monter petit à petit jusqu'à arriver au complexe. On dit c'est un alim rabbani, yurabbi, il s'est éduqué. Mashallah. Il y a des frères ou je ne sais qui, tu lui dis viens, on commence à Aqidah, il commence directement, premier livre, Tahawiyya. Tahawiyya. Comment pas, on commence Tahawiyya, nous on ne connaît rien dans la Aqidah. Donc celui-là, il n'est pas rabbani. Non, il a dit, ainsi dans cette sourate, Allah Azzawajal a juré par le temps, que tout être humain court à sa perte et à l'échec, aussi importante soit sa fortune et sa progéniture, et aussi élevé soit son rang social et sa notoriété. C'est-à-dire, il court à sa perte. Excepté qui? Excepté ceux qui rassemblent les quatre caractéristiques suivantes. La première, la foi, qui englobe toute croyance correcte et science bénéfique qui rapproche d'Allah. Qui rapproche d'Allah. La deuxième, les bonnes œuvres correspondant à toute parole ou acte qui rapproche d'Allah. Ces œuvres doivent être accomplies d'une façon sincère envers Allah et conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, la recommandation,
la recommandation de la vérité correspondant au fait de s'enjoindre mutuellement l'accomplissement des bonnes œuvres, s'encourager et s'inciter à les pratiquer. La quatrième, la recommandation de la patience, c'est-à-dire s'enjoindre mutuellement la patience dans l'accomplissement des ordres. L'accomplissement des ordres là, le délaissement de ses interdits et dans le fait de supporter avec endurance ses décrets. En outre, la recommandation mutuelle à la vérité et à la patience comporte le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, principe nécessaire à la survie de la communauté, sa droiture, sa victoire, son honneur et sa dignité. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Donc, nous, pourquoi on est la meilleure communauté? Parce qu'on est riche, parce qu'on est fort, parce qu'on est beau, parce qu'on mange beaucoup. Pourquoi? Il a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, parce que vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. C'est bien aussi de nous poser d'afficher ce verset de Luqman 17. Affiche-le, si c'est possible. On regarde Luqman, cet homme, mashallah, qui avait plein de sagesse et de hikma, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Oh mon enfant, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il lui a dit, oh mon fils, accomplis la salate, commande le convenable. Il ne lui a pas dit, commence à commander le convenable. Mais il lui a dit, commence par toi-même. Accomplis la salate. Tu ne peux pas, toi, dire aux gens, faites ceci, cela. La première des choses, on te dit, toi, tu es quelqu'un qui ne prie pas. Toi, tu ne pries pas, tu nous parles du dîn. Donc, si quelqu'un veut commander le convenable, qu'il commence par lui-même. Au moins qu'il prie. Au moins, on voit accomplir la salate. Chose la plus importante. Ensuite, et interdit le blâmable. Mais attention, si tu fais ces deux-là, il va t'arriver des choses. C'est pour ça qu'il a dit, endure ce qui t'arrive avec patience. Toute personne qui commande le convenable et interdit le blâmable doit lui arriver une chose. Mais cette chose passera. C'est une épreuve, c'est tout. Allah Ta'ala va voir, il sait, mais veut te montrer à toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui... C'est comme une bulle. Une bulle, si ça s'appelle une bulle, hein, pleine d'air, une petite épine, et elle éclate. Elle éclate. Non. Ça s'appelle, je crois, un ballon d'air avec lequel les enfants jouent. Non. Ils lâchent le ballon monter dans le ciel. Juste une petite épine. Donc toi, on va voir, tu fais la dawa, mashallah, mais si t'arrives des choses, tu vas endurer ou bien tu vas dire, là, c'est terminé, moi, je vais plus faire et je vais aller au bord de la mer, rester là-bas. Non, il a dit, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et moi, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, ensuite a cité ce qu'a dit l'imam Allah, qui a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate, comme preuve pour les créatures, elle aurait suffi. Naam. Et Bukhari rahmahullah a dit, chapitre, la science passe avant la parole et à l'action. Naam. Donc, Abdelaziz, tu n'as pas posté ce qu'a dit Shafi'i. Shafi'i rahmahullah a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate, comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Shafi'i, il s'agit de Abu Abdillah, c'est sa kunya. Sa kunya, c'est Abu Abdillah. Son prénom, c'est Mohammed. Son père, c'est Idris. Donc, Ibn Idris, Ibn Al-Abbas, Ibn Othman, Ibn Shafi'i Al-Hashimi, Al-Qurashi. Al-Qurashi.
Il est né à Gaza en l'an 150. Chefi, rahimahullah, il est né à Gaza en l'an 150. Et est mort en Égypte en l'an 204 de l'Hégire. Donc, faites 204 moins 150 et dites-moi combien qu'il a vécu, rahimahullah ta'ala. Donc, il est né en 150, il est mort en 204. 150, 200, ça fait 50. Donc, 54. Reprenez-moi si je me trompe. Il a vécu 54 ans. Allahu Akbar. 54, hein, c'est pas beaucoup. 54, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai déjà 61 ans. 61 ans, donc, et je ne connais rien, ni de la science. Que j'étais vivant en tant que Shafi'i, ou là, que Shafi'i est vivant de nos jours. Il a 50, 54 ans, je le dépasse de 6 ans, ou de 7 ans. Et on va faire un débat, moi et lui. Lui et moi, on va faire un débat dans fiqh, ou bien usul fiqh, ou bien hadith, ou bien. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il va dire, il y a mon fils, il y a mon fils. Naam, tu es vraiment très, 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 très loin, mon fils. Mon fils, tu es très, très loin. Bon, il ne peut pas dire mon fils, je suis plus âgé que lui. Peut-être mon fils dans le sens que, yani, tu es dans le dîn. Naam, subhanallah, l'adhim, il est encore jeune. Imam Nawawi, rahimahullah, Nawawi, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il est mort à 45 ans. Imam Nawawi rahimahullah, mort à 45 ans. Regardez ce qu'il a ici. Al-Mujmu'a. Son livre, Al-Mujmu'a. Al-Muhazzab. Subhanallah al-Azim. Rahimahullah ta'ala jami'an. Je reviens jeudi. Naam, il est l'un des quatre imams. Il est l'un des quatre imams. Donc, Shafi'i rahimahullah signifie par là que cette sourate est suffisante pour les créatures en termes d'encouragement à s'accrocher à la religion d'Allah par la foi, les bonnes œuvres, l'appel à la religion d'Allah et la patience dans cet effort. Et il ne veut pas Non, est-ce que vous m'entendez maintenant? Des fois je perds le micro sans pouvoir le prendre, sans pouvoir le prendre. Je disais, Shafi'i rahimahullah, quand il a dit si Allah Ta'ala n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Elle aurait suffi, pas dans la législation. Pas dans la législation. Cette sourate ne contient pas de législation. Telle chose est haram, telle chose est halal, telle chose est makruh, telle chose est moubah. Il n'y a pas ça. Mais il veut dire par là, elle aurait suffi en termes d'encouragement à s'accrocher à la religion d'Allah par la foi, les bonnes œuvres, l'appel à la religion et la patience dans cet effort. Il ne veut pas dire par là que cette sourate est suffisante, yani concernant toute la législation. Non. Quant à son affirmation, lorsqu'il a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour ses créatures, elle leur aurait suffi, il a dit, elle est véridique cette phrase. En effet, si une personne raisonnable et clairvoyante entend cette sourate ou la lit, elle agira alors nécessairement dans le but de sauver son âme de la perdition. Et ceci en cherchant à adopter les quatre caractéristiques suivantes. La foi, les bonnes œuvres, la recommandation mutuelle de la vérité et de la patience. Quant à Al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Chapitre, dans son livre Al-Bukhari, il y a un chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Al-Bukhari, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, il s'agit de Abu Abdillah. Donc, il a la même kunya que Shafi'i. Abu Abdillah, donc un fils qui a, son fils s'appelle Abdullah, s'il a un fils. Abu Abdillah, Mohamed, prénom Mohamed. Donc, le même prénom que celui du Shafi'i. Ibn Ismaïl, Ibn Ibrahim, Ibn Mughira, Al-Bukhari, né à Bukhara, né dans une ville ou un village qui s'appelle Bukhara. C'est pour ça qu'on dit de lui Bukhari. Celui qui est né à Al-Jazair, on dit Jazairi. Non, celui qui est né à Bukhara, on dit Bukhari. Il est né le mois de Shawwal, en l'an 194 de l'Hégire. Il grandit orphelin de père. Et c'est donc sa mère qui s'occupa de lui. Allahu Akbar. Hein, sans père, hein, il n'a pas de père.
Non, mais cela n'a pas empêché d'être qui? D'être le Bukhari, rahimahullah, avec son livre, le Bukhari. Non, il adab al-mufrad. Et Khalq al-af'al. Non, subhanallah, c'est sa mère seulement qui s'est occupée de lui. Une veuve ou une divorcée peut faire beaucoup de choses avec ses enfants. Et il n'a pas d'excuse pour dire que yani, celui-là n'avait pas de père. Ça ne veut rien dire des fois le père. Non. Il est mort à Kartank, qui est un village à 2 lieues de Samarcande. La nuit, il est mort, rahimahullah, la nuit de l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr. Il est mort la nuit de l'Aïd el-Fitr. L'an 256 de l'Égir. L'an 256 de l'Égir. Donc, si on va faire un petit calcul, il est né en 194 et mort en 256. Qui peut nous faire une petite opération pour savoir combien qu'il a vécu? Né en 194, mort en 256, 62 ans. Non, 62 ans. Allah Iberg, même 62, c'est pas beaucoup comparé à ceux qui vivent 90, 95. 62 ans, il est mort, rahimahullah, et laissé yani, tout ce haine derrière lui, Allah Iberg. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Bukhari, rahimahullah? Il a dit, chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Non, il a cité, il a dit, la preuve se trouve dans la parole d'Allah Azzawajal, fa'alam. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Donc, remarquez avec moi, comment Yani, regardez le savant. Quand il a mis dans son titre, il a mis la science avant quoi? Passe avant la parole et l'action. La science passe avant la parole et l'action. Ensuite, si tu disais toi comme ça, tu dis à quelqu'un, écoute, la science doit passer avant la parole et l'action. Avant de dire quelque chose ou de faire quelque chose, je dois avoir d'abord de la science pour ne pas dire n'importe quoi et ne pas faire n'importe quoi. Quelqu'un peut te dire, donne-moi. Bon, c'est logique, d'accord, mais dans la verset ou un hadith. Est-ce que tu aurais pensé à ce verset? Allah Ta'ala dit, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Non, il a dit, sache. Donc la science. Avant quoi? Ensuite, il a dit, implore le pardon. Donc ça passe avant quoi? Avant, yani, les actions. Donc sache d'abord qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Avant, si tu veux dire La ilaha illallah, hein, c'est une parole. Avant cela, sache d'abord quoi? Tu dois avoir la science, sache. Et ensuite, si tu veux passer aux actes, tu veux implorer le pardon pour ton péché, il faut d'abord, avant cela, avoir la science. Il a dit sache. Hein. Subhanallah. Les savants, comment yani, ils peuvent yani, déduire comme ça des choses, des versets. Non, donc il a dit ici, le Bukhari rahimahullah a utilisé ce verset comme preuve de l'obligation de commencer par la science avant la parole et les actes. Il y a en cela une preuve textuelle, c'est-à-dire qu'on détient des textes. Il y a en cela une preuve textuelle, ça veut dire Coran ou bien Sunna, du fait que l'homme doit d'abord connaître puis agir. Mais il y a aussi une preuve rationnelle, une preuve de la raison à ce sujet, à savoir qu'une parole ou un acte ne peuvent être valables que s'ils sont en conformité avec la charia. Naam, toi, tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, s'il n'est pas conforme avec la charia, naam, donc, yani, tu peux faire des péchés et dire des péchés. Et tu ne peux jamais, au grand jamais, jamais, au grand jamais, faire des actes et adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des choses dont tu ignores yani, l'entité. Tu ignores la chose en elle-même. Comment veux-tu la faire ou la dire pour adorer Allah avec? Il faut avoir de la science.
Il faut que tu saches que s'il y a interdit de faire cette chose, c'est le prophète Hassan qui a dit de faire cette chose, ou c'est le prophète Hassan qui a interdit de faire cette chose. Qu'en est-il maintenant si tu veux prêcher? Tu vas faire da'wah, tu n'as pas de science. Donc, quand on n'a pas de science et on va faire da'wah, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au lieu de faire da'wah à Allah Ta'ala et à sa sharia, faire da'wah à Hawa, à nos tentations, à nos idéaux, à nous-mêmes, à ce qu'on pense. Non. Tu n'as pas, quand tu fais la prédication, tu vas dire Allah Ta'ala a dit et son prophète a dit. Mais toi, tu n'as pas de science. Donc, tu n'as pas ce que Allah Ta'ala a dit, ni ce que son prophète a dit. Donc, tu vas dire des choses de ta tête. Et c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Vous savez. Car tu vas faire croire aux gens que ce que tu as dit est la religion d'Allah. Et ils vont le faire avec la niya, que c'est la religion et que c'est une adoration et que Allah Ta'ala, en faisant cela, il va nous donner des récompenses quand on va le rencontrer demain. Il va nous faire entrer au paradis. Et en faisant et en délaissant ce que tu nous as dit de délaisser, donc, yani, moi, je pense avoir des récompenses demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être c'est tout à fait le contraire. Naam. Ibn Mohamed al-Jazairi me dit qu'il a beaucoup de coupures chez lui. Confirmez-moi si c'est la même chose, que je dois sortir et revenir. Sinon, c'est à son niveau, c'est tout. Alors, Ibrahim dit, Alhamdulillah. J'ai des déconnexions, c'est autre chose. Maalesh, tu es excusé. Fawzi, il dit 1, 2, 1, 2. Et Muslim dit, Alhamdulillah. On va voir, il ne reste pas beaucoup. Et on ne peut savoir si notre action est en conformité avec la charia que par le biais de la science religieuse. En outre, il existe des choses que l'être humain peut connaître de par sa saine nature, le fitra, comme le fait de savoir qu'Allah Ta'ala est unique. En effet, le concept de l'unicité d'Allah Azzawajal est une chose naturelle à laquelle l'homme est prédisposé. C'est pourquoi on ne rencontre pas de grandes difficultés à l'apprendre. En revanche, ce sont les questions particulières répondues qui nécessitent apprentissage et effort poussé. Naam. Voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas parler ni agir si on n'a pas de science, Alhamdoulilah, c'est une ni'ma aussi. Pourquoi? Car celui qui doit nous parler, s'il nous parle de religion, il doit nous parler avec science. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, il va nous égarer. C'est pour cela qu'on dit les savants, ils disent une phrase célèbre. Ils disent, si on laisse les gens, nam, dire ce qu'ils veulent, nam, law qala man sha'a ma sha'a, yani, ce serait vraiment la catastrophe. Si on laisse qui il veut, dire ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce serait la grande catastrophe. Qui il veut, qui veut, n'importe quelle personne. On la laisse dire ce qu'elle veut. Alors, c'est vraiment grave. Celui-là, il va nous chanter, l'autre, il va nous raconter des blagues, l'autre, il va nous raconter des contes de fées. Il va dire c'est le dîn. Non. Mais par contre, quand on dit aux gens, donnez le dalil, donc, on va arrêter celui qui dit n'importe quoi. Et il ne pourra parler que celui qui a un dalil. Sinon, il ne peut plus parler. Non, et c'est une ni'ma, alhamdoulilah. Comme on dit. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je profite pour dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas comment poser des questions. Si vous pouvez leur expliquer encore une fois comment faire pour pouvoir poser une question, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Est-ce que le son est clair? Alhamdoulilah. Donc, première question d'un frère. Qu'Allah récompense cher pour les cours. Ma question, Inch'Allah, porte sur le fait de conseiller le bien et d'interdire le mal. Je pense que c'est le cas de nombreux frères
De nombreux frères et sœurs, de nos jours, quand on va conseiller les gens, ils vont se mettre en colère, Allah musta'an. J'aimerais savoir si lorsque l'on parle, on doit obligatoirement avoir le dalil ou pas forcément. Et si on peut utiliser les paroles des savants, sachant que parfois la parole d'un savant peut être un avis parmi d'autres. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, cette question contient deux parties. Deux parties. La deuxième, c'est par rapport à l'avis du savant. Et la première, je suis en train de penser à la première. J'ai oublié. Dawa. Cette personne a dit que quand on fait la dawa, les personnes vont s'énerver. Est-ce qu'on a, yani, obligé, on a un délit ou pas? Tayyip. Si on n'a pas de délit, hein, si on n'a pas de délit, on ne peut pas faire dawa. Car si on tombe avec quelqu'un qui, mashallah, est intelligent, par exemple, la première des choses, il va te dire, yani, d'où tu détiens cela? Et maintenant, si c'est une chose connue, comme quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool ou quelqu'un qui est en train de faire le haram, yani, fornication ou quelque chose, yani, c'est clair. Mais cela dépend où on est d'abord, et c'est qui les gens auxquels on fait da'wa, car ça diffère d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Chez des gens, par exemple, il y a des gens qui, chez eux, telle chose est claire. Et dans un autre pays, d'autres gens, cette chose n'est pas claire, ils ne la connaissent pas. Prenons le cas d'un reconverti qui est nouveau, qui ça fait 2 ou 3 jours qu'il vient d'embrasser l'islam. C'est sûr qu'il ne connaît pas mille et une choses. Celui-là, par exemple, a beaucoup plus besoin de délil. Ah, pour qu'il sache qu'on n'est pas en train d'inventer des choses. On n'est pas en train d'inventer des choses. Mais si c'est par exemple des gens de la masse, qui ne connaît rien. Non. Si des gens lui disent qu'Allah Ta'ala n'aime pas cette chose, ou que le prophète n'aime pas cette chose, ou qu'Allah Ta'ala a demandé à ce qu'on fasse cette chose, ou que le prophète a demandé à ce qu'on fasse cette chose, yani, ça lui suffit. Mais si c'est un talib ou un ilm, il va demander par exemple où ça se trouve, dans quel livre. Non. Quant à la deuxième des choses, c'est pour ça que les savants, comme Cheikh Ibn Rahimahullah, a dit que quand on fait da'wah, il faut toujours essayer d'attacher les cœurs des gens avec le Coran et la Sunna. Non. Si c'est possible, à chaque fois que tu dis une chose, tu cites un verset ou un hadith, ce serait mashallah. Pour attacher les gens, yani, attacher leur cœur avec ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète, alayhi sallam. C'est en ce sens un peu, non, que yani, certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, n'aime pas, par exemple, les gens qui apprennent seulement, yani, les moutons où il n'y a pas de délit. C'est comme on va rentrer dans certains livres de Malikite, par exemple, ou bien Shafi'ite, ou bien Hanafite, où c'est cité seulement ce qu'a dit Abu Hanifa, ou le Shafi'i, rahimahullah, ou l'imam Malik, sans citer de délit. Non. Il a dit, tu vas attacher, ou la lier le cœur de cette personne avec, yani, ce qu'a dit le madhhab Maliki, ou ce qu'a dit le madhhab Shafi'i. Mais yani, cette personne ne va pas sentir que c'est Allah qui a dit ça ou son prophète a dit ça. Par contre, quand tu dis Allah a dit, son prophète a dit, yani, alhamdoulilah, tu lis les cœurs des gens avec ce qu'a dit Allah, yani, avec son livre, avec ce qu'a dit le prophète, c'est-à-dire avec sa sunna. Et c'est la meilleure des choses. Quant à la deuxième partie, quand on cite l'avis d'un savant, c'est mashallah, même si c'est son avis à lui, mais yani, le fait déjà qu'il soit un grand savant, hein, un grand savant en général, ne cite son avis que s'il n'a pas trouvé quelque chose de clair dans le Coran, la Sunna. Car les grands savants, c'est impossible qu'ils disent comme ça quelque chose de sa tête. C'est impossible. Hein. Voilà la réponse, Wallahu ta'ala a'lam. Déjà, le fait de citer un grand savant, déjà, c'est quoi? C'est déjà, yani, même si toi tu vas imiter ce savant, tu connais pas son délire, au moins,
Au moins, c'est mieux que de s'imiter soi-même ou d'imiter un ignorant. Non. Tfadl. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve, cher, et vous accorde le Firdaous comme aux admins et aux personnes de la room. La question. Est-ce qu'il est autorisé de jeûner le lundi et le jeudi, ainsi que les 3 jours lunaires, ou est-ce considéré comme une bid'a? Tfadal, cher. Cette question est étonnante. Je croyais que la personne allait dire est-ce que c'est permis de jeûner yani lundi ou jeudi et les 3 jours, quand elle a des 3 jours, si ça tombe un samedi. Je pensais que ça allait. C'est comme ça la question. Mais comment la question dit est-ce que c'est une bid'a? Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est une bid'a? Alors que les hadiths sont clairs que c'est de la sunna de jeûner lundi et jeudi. Et de jeûner les 3 jours de pleine lune. Ou alors, 3 jours, yani, sans, yani, sans que ça soit un lundi, un jeudi ou les 3 jours de la lune. Comme dans le hadith de Sahih Muslim, où Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit le prophète alayhi salam, yani, ne ratez pas 3 jours chaque mois. Elle a dit comme ça, que ça soit au début, au milieu ou à la fin. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Elle a dit jamais, c'est-à-dire le prophète Aslam faisait beaucoup d'efforts pour ne pas rater 3 jours de chaque mois. Que ce soit au début. Elle a dit au milieu, à la fin, ou la yubali. Si c'est au milieu, c'est 13, 14, 15. Si c'est au début, on est libre. Les 3 premiers jours ou bien la 2e semaine. Ensuite, elle a dit au milieu et à la fin. El Mohim, c'est quoi? El Mohim, si une personne pouvait. Ne pas rater 3 jours au moins par mois. 3 jours au moins par mois. Et si ce sont les 13, 14, 15, c'est la meilleure des choses. Mais si la personne, par contre, a les moyens et peut jeûner le lundi et jeudi, je lui dis, ce n'est pas du tout bid'a, mais c'est par contre sunnah. Et les hadiths sahih sont clairs en ce sens. Tfadl. Question suivante, question d'un frère. Une sœur prépare actuellement un baccalauréat littéraire dans lequel la philosophie possède un grand coefficient. Alhamdoulilah, la sœur ne va pas à l'école dans la mixité, mais elle devra passer son baccalauréat dans la mixité de peur de causer une fitna avec ses parents, qui ont accepté qu'elle n'aille plus à l'école à condition qu'elle passe son baccalauréat en étudiant depuis chez elle. Cher, que lui conseillez-vous? Qu'Allah vous récompense et vous accorde le Firdaous. Tfadal, cher. C'est-à-dire, je n'ai pas compris où est son problème. Alhamdoulilah, elle dit que ses parents maintenant yani, ont accepté qu'elle n'aille pas à l'école pour la mixité. Mais ils lui ont demandé qu'en condition qu'elle passe son baccalauréat. Donc, je lui conseille quoi? C'est quoi le problème exactement? Est-ce qu'elle parle de par rapport à la philo? Donc, elle parle, yani, comment qu'elle va répondre? Comment qu'elle va répondre? Yani en disant que, par exemple, ceci et cela, des choses peut-être qui sont fausses et qui contredisent la religion. Est-ce que c'est ça sa question? Naam. Alhamdoulilah. Donc, si c'est ça sa question, je lui dis, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a répondu à cette question. Alhamdoulilah. Jazakallahu anna khayran. Jazakallahu an al-islami khayran. Et il nous a enlevé ce problème. Comme il a répondu, comme je vous ai dit la fois passée, il a répondu aussi au problème yani des enfants ou des étudiants auxquels on demande de dessiner un animal en science naturelle, puis obligé quand on te demande de dessiner un cheval, dessiner un mouton. Il a répondu à cette question, walhamdoulillah. Donc aujourd'hui, je vais vous donner sa réponse par rapport à lorsqu'on étudie une matière qui n'est pas conforme à la charia, on doit répondre en disant telle et telle chose. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah l'a dit, la solution serait que tu dises, Naam, yani, que tu montres que c'est ce que vous m'avez appris. Quand tu réponds, tu dis, Naam, vous m'avez appris, ou là, on a appris dans tel livre, Naam, que yani, Pascal dit ceci et cela.
Et ça veut dire que, yani, c'est pas mon avis. C'est ce que vous m'avez appris, vous, ou c'est, voilà, c'est le programme de l'État qui dit comme ça. Donc on a appris dans le programme, hein, que, à l'école, au lycée, que Pascal a dit ça par rapport à ce problème et que Freud a dit ceci et cela. Donc c'est pas mon problème ni mon avis. C'est ce que vous m'avez appris dans vos livres. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre en mettant dans le cœur que je me désavoue de cet avis bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher. Donc, question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve. J'ai honte de prêcher à ma famille ou aux autres, car j'ai un mauvais comportement. Que dois-je faire? Fadal, cher. C'est vrai, c'est comme on l'a dit tout à l'heure et comme ont toujours dit les savants, que quelqu'un qui lui-même a un mauvais comportement, comment vais-je prêcher aux autres le bon comportement? C'est un peu si, par exemple, je fumais et je vais dire aux gens, attention, la cigarette est interdite. L'avis le plus juste, c'est que c'est haram, on a des péchés. Est-ce que quelqu'un va m'écouter? Plutôt, il va éclater de rire. Il va éclater de rire et dire, Yanni, toi tu nous ordonnes d'arrêter la cigarette, toi tu fumes. Wallah al-adhim que si c'était vraiment haram, toi le premier tu aurais arrêté. Allez, arrête de faire les blagues, allez. Allez, tiens, prends une cigarette. Allez, donne-moi une cigarette. Et comme ça, il va faire de toi un clown. Naam. Donc si quelqu'un veut faire da'wa, il veut que sa da'wa, elle soit acceptée. Et que les gens acceptent de lui, il faut que ce soit lui le premier à appliquer bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si maintenant la personne fait toujours cette faute, mais on lui a posé la question, par exemple la personne fume toujours, on lui a dit, c'est quoi le statut de la cigarette en islam? Dans ce cas, il n'a pas le droit de cracher, il n'a pas le droit de dire, puisque je fume toujours, je vais pas leur dire c'est interdit jusqu'à ce que j'arrête la cigarette. Non, maintenant, ça a changé. Pourquoi? Car on t'a posé une question. Et maintenant, si on t'a posé une question, tu réponds pas, il y a le hadith qui va s'appliquer sur toi. C'est quoi le hadith? C'est que on va te mettre une bride de feu, yom al-qiyama, puis aller contre ta bouche. Donc, au moins, il n'y a pas de faute. La première de fumer et la deuxième de ne pas montrer le bien. Par contre, si on t'a pas posé de questions et c'est toi le premier qui commence à dire ceci, cela, on va pas accepter de toi. Mais maintenant, quand t'as posé la question, tu dis, Naam, en fait, la cigarette est interdite, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide, qu'il nous aide, yani, qu'il nous guide davantage, car moi-même, yani, ça fait X temps que je fais des efforts, je n'ai pas encore arrêté. Naam, je sais que je suis dans le péché, que c'est grave si je meurs comme ça, mais yani, qu'Allah ta'ala nous aide. Non, mais vraiment, elle est interdite et ceci et cela. Non. Tfadlal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. J'ai lu que Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, a dit que si les groupes se multiplient au sein de la Oumma, alors ne te réclame d'aucun parti. Ensuite, un peu plus loin, le cher dit: ici, il y a plusieurs groupes qui sont apparus, et ce, depuis le temps le plus ancien. Il y a les Khawarij, les Mu'tazilites, les Jahmites, les chiites. Et récemment, il est apparu les Ikhwaniyoun, Salafiyoun, Tabliriyoun et tout ce qui s'y rapporte. Puis Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dit ne pas adhérer à un groupe précis qu'on appelle le groupe des Salafis. Je ne comprends pas, cher, l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen. Pouvez-vous m'éclaircir? S'il vous plaît, cela devient confus pour moi. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala et on ne peut plus clair. Ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala et on ne peut plus clair. Pour prouver que c'est vraiment clair, je demande à la personne qui a dit cela de nous lire les deux phrases qui suivent ce qu'elle vient de dire maintenant, ne pas s'affilier à un groupe de salafis. Elle nous lit les deux phrases qui vont suivre cette phrase. J'attends qu'elle nous dise, inshallah ta'ala, ce que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, rahimahullah ta'ala, et le temps, inshallah ta'ala, qu'on passe à une autre question. Tfadhal. Non, donc mon PV est resté ouvert pour cette sœur, donc elle m'envoie.
La suite, Inch'Allah. J'ai voulu une question, une autre question, chère. Donc, d'une sœur, une sœur demande, si elle enlève les fils de... si elle enlève les fils d'Abendil, cela se transforme-t-il en douf? Elle souhaiterait le vendre. Barakallahu fikoum. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le bindel cher. Tradar cher. Je vois, mais je ne vois pas de quel fil elle parle. Quel fil? Les fils, je n'ai pas compris. Non, cher, généralement, les bindel, ils mettent des fils à l'intérieur. Quand ils frappent, il y a des petites perles. Normalement, des petites perles ou parfois, il y a juste les fils qui frappent sur le cuir. Et ça fait du bruit. À l'intérieur du bendel, Tfadachir. Une seconde, je vais demander à mon épouse, peut-être elle a une idée. Une seconde. Et Bendir avec R, une seconde. Salam alaikum. On me dit, Wallahu ta'ala alam, que si on enlève les fils, il devient douf. Et que les fils font une certaine yani musique ou quelque chose comme ça. On dit, si on enlève cela, yani, il devient comme un douf. Mais c'est l'avis d'une femme, ce n'est pas l'avis d'un savant, pour que vous sachiez. Tayyib. Tfadal. Non, monsieur, je ne sais pas comment est votre connexion ce soir, mais si elle est bonne, je vous ai envoyé un lien en Whisper. Et peut-être que vous verrez. On voit bien les fils sur cette photo. Donc, je n'ai toujours pas eu de réponse de la personne qui a posé la question sur la CFI1. Donc, question suivante, cher. Question d'une sœur. Yachir Barakallahu fekoum pour vos cours et qu'il vous guérisse et vous bénisse. Et qu'Allah vous guérisse et qu'il vous bénisse. Yachir, comment faire da'wah à sa famille si on ne connaît pas par cœur les hadiths ni les versets? Doit-on nous taire ou donner juste le sens général afin de ne pas les laisser dans l'erreur? Jazakumullah khayran. Tfadal cher. Non, ce n'est pas obligé de connaître et les... Si on connaît déjà le sens, c'est mashallah. Et on dit, comme a dit le prophète, en ce sens. Non, on n'est pas obligé de donner yani, le verset, de l'apprendre par cœur. On dit, il y a un verset dans le Coran que je n'apprends pas bien. Mais on va pas. Allah Ta'ala a interdit cela. Il y a ça donc qu'il ne faut pas faire ceci et cela. Mais allez, en citant le sens, n'est pas obligé ni de donner à chaque fois les dalils avec les lettres. Il manque aucun mot, aucune lettre. C'est pas possible. L'essentiel, c'est de lui faire. Tu sais, l'essentiel, le plus important dans tout cela, sûr, tu sois sûr. Interdit est interdit. Et ce que tu yani, prescrit, il est vraiment yani, obligatoire. Attention à ce que tu exhortes quelqu'un à faire quelque chose d'obligatoire pour lui. Attention à ce que tu interdises à quelqu'un une chose qui est halal. Et toi, tu crois que c'est haram. Attention. Non, c'est très important. Tfadal. Question suivante. Donc, j'informe les frères et sœurs qui ont des questions sur le cours qu'il n'est pas trop tard car pour l'instant je n'ai plus aucune question sur le cours. Donc, ça ne va être que des questions générales. Donc, si des personnes d'entre vous ont des questions sur le cours, qu'elles se rendent sur le salon bis, qu'elles y lèvent la main. Inch'Allah. Donc, question d'un frère. Est-il autorisé de donner deux prénoms à un enfant, sachant que le premier prénom sera musulman et pas le second, comme par exemple Abdullah Patrick ou Adam Samba, sachant que le prénom principal sera Abdullah ou Adam. Si le deuxième prénom n'a pas de signification ou ne porte pas préjudice à l'enfant, est-ce autorisé? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Je n'ai pas entendu le début de la question. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi? Pourquoi la personne qui a parlé de Cheikh Ibn Outhaymine sur les salafis, pourquoi ne nous donne pas yani, la fin? Pourquoi elle ne nous donne pas la fin? Est-ce que yani, elle ne trouve pas ça devant elle ou quoi?
Si elle trouve pas, qu'elle dise j'ai pas trouvé, au moins que je lui réponde, donc que je l'excuse et je lui réponds, Inch'Allah ta'ala. Naam. Est-il autorisé de donner deux prénoms à un enfant, sachant que le premier prénom sera musulman et pas le second? Prends par exemple Abdullah, Patrick ou Adam Samba, sachant que le prénom principal sera Abdullah ou Adam, si le deuxième prénom n'a pas de signification, ne porte pas préjudice à l'enfant. Hein? Ce que je sais, c'est que c'est permis, yani, au kafir de garder son nom, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Si ce nom ne se contredit pas avec la charia, ni yani, est un prénom yani, qui est obscène ou quelque chose comme ça, ou là, qui parle de statut, etc. Non. Donc le kafir n'est pas obligé de changer de nom. Par contre, quand quelqu'un, yani, quand il va naître, yani, donc il n'avait pas encore un nom de kofar, quand il va naître, yani, de préférence, on lui donne un nom, un nom musulman. De préférence, on lui donne un nom musulman. Pourquoi? Parce que le prophète salam, a dit que le meilleur des noms, c'est Abdullah et Abdurrahman. Le meilleur des noms, Abdullah et Abdurrahman. Et dans un hadith Hassan, Ibn Hajr al-Asqalani, dans Fath al-Bari, a dit Hassan, que le prophète aurait dit, les meilleurs noms seraient les noms des messagers, des prophètes. Asma al-Anbiya. Si ça se trouve dans Fath al-Bari, il a dit les Hassan. Non. Donc je ne vois pas, yani, pourquoi je ne lui donne pas un nom, yani, spécialement de musulman ou de messager. Pourquoi je vais lui chercher des noms, yani, de kofar. Mais je ne peux pas dire que c'est interdit, car il faut que je fasse des recherches. Il faut que je fasse des recherches en cette chose. Mais ce que je sais, c'est que si on lui donne un nom de musulman, c'est mieux que de lui donner un nom de kofar. Par contre, s'il a déjà le nom, c'est pas obligé qu'il l'enlève. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Non, cher, donc la sœur m'a envoyé un message. Elle me dit, cher Al-Uthaymin, rahimahullah, dit par la suite, ce qu'il incombe à la Oumma musulmane, c'est de suivre la voie des pieux prédécesseurs et non pas de prendre parti à ce qu'on appelle les Salafiyoun. Tfadal, cher. Non, voilà ce que je voulais entendre. Un combat à la Oumma, c'est quoi? Yani, la voix des pieux prédécesseurs. Donc, un peu plus haut. Il a dit, on ne suit pas un hizb salafi. Il a dit, on ne suit aucun hizb, ikhwan, kadak, même salafi. Un peu plus bas, il a dit, mais on suit la voix des pieux prédécesseurs. Donc, on suit la voix des salafis. Donc, pour contrer ceux qui disent, même Cheikh Ibn Outhaymine dit, on doit pas suivre les salafis. C'est pas, on ne suit aucun parti, même si le parti dit, je suis parti des salafis. Tant que c'est déjà, tant que c'est devenu parti, ce n'est plus salafia. Par contre, on doit suivre les salafis comme voie. Pas comme, c'est très, très clair ce que veut dire le cheikh. Non, c'est pour ça qu'il a cité les partis. Il a dit Jahmi partie des salafs, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a la voix des salafs. C'est un peu comme en Égypte, maintenant, il te dit Hizb al-Nour Salafi. Parti de Nour, qui s'appelle Nour Salafi. C'est pas vrai, menteur. Il n'y a pas de parti en islam. Il n'y a pas de parti salafi. Salafi, c'est une voix. La preuve est de Hizb al-Nour, la preuve, hein, la preuve. Il vient avec un costard. Je suis salafi. Et tu fais une conférence pour nous apprendre quoi, la aqida? Non, pour vous exhorter à ce que venir voter pour moi. Pour que je devienne, pour que je rentre dans le Parlement et je rentre dans je ne sais quoi. Menteur. 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 Non. Tu fais yani, avaler aux gens, miskin, aux ignorants, aux gens de la masse, que l'islam, dans l'islam, il y a la hizbiya. Non. Voilà, partie des Tablir, partie des Ikhwan, et partie des Ahbash. Et maintenant, on a le parti de l'État, ensuite il y a le parti des Salafis. Il n'y a pas de parti Salafi.
Si tu es salafi, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymine, une voie droite, la voie des pieux prédécesseurs. Donc, je reviens, je dis, je termine ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymine. Allah. Beaucoup de gens ne l'ont pas bien compris. Ils ont cru qu'il n'y a pas de salafia. Cheikh Ibn Uthaymine dit, il n'y a pas de salafia. Pas du tout. Cheikh Ibn Uthaymine parle du parti. Il n'y a pas de parti salafi. C'est pour ça qu'il a dit à la fois, ce qui est un combat à la Ummah, c'est quoi? La voix des salafs. La voix des salafs et la voix des salafs. Tfadl. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu alaykoum. Je voudrais que vous me donniez une méthode pour appeler les membres de ma famille à la salafia. En effet, je peine à les convaincre qu'adhérer à la voie des pieux prédécesseurs est un devoir et une obligation pour tout musulman. Je ne veux pas que ce message soit vu comme une lettre de plainte, car nous avons été créés seulement pour adorer Allah, et Allah nous éprouve. Mais je voudrais avoir quelques conseils pour mieux supporter cette ambiance assez pesante et avoir les mots justes pour les convaincre. Nos cœurs sont entre les deux doigts du tout miséricordieux. Il peut les faire tourner à n'importe quel moment. Il faut voir. Elle parle de sa famille ou de ses parents. J'ai oublié maintenant. Mais si les parents ou bien la famille à laquelle tu veux faire dawa ont déjà des préjugés sur le mot salaf et la salafia. Donc il faut prendre garde de ne pas commencer à parler de cela. Car d'abord, ils ont des préjugés, une mauvaise étiquette qui est déjà sur ton dos. Donc, naam, ils vont te fuir et ne pas accepter. Si c'est comme ça te suffit que tu leur apprennes, yani, les choses vraies. Non, les choses vraies, ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la Sunna authentique du prophète, alayhi salatu salam. Alayhi salat ou salam. Non, mais si maintenant, ils n'ont pas de préjugés, c'est bien de leur dire que, yani, voilà, yani, quand on leur parle, yani, on leur dit, Allah Ta'ala, le prophète salam a dit, on leur dit, c'est comme ça, yani, qu'étaient les salafs, c'est comme ça que faisaient les salafs. Parce qu'ils n'ont pas peur de ce mot. Naam. Et moi, si je vous dis tout le temps, yani, les pieux prédécesseurs, c'est pour montrer que, yani, on n'est pas comme les sectes égarées. Pour nous différencier des sectes égarées. Pour nous différencier des sectes égarées. Sinon, Allah Ta'ala, quand il nous a créés, c'est pour yani, suivre le Coran, pour adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, par le biais du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, nous, on parle de salaf et de pieux prédécesseurs, c'est à cause d'eux, il y a beaucoup de da'wa qui sont fausses. Non. Beaucoup de gens qui nous parlent d'un islam, mais ce n'est pas le vrai islam, le faux. Donc nous, pour nous différencier, on dit, on veut l'islam des salaf. L'islam, comme l'ont compris, les salaf. Et maintenant, si je n'ai pas peur de la personne et que je suis sûr qu'elle veut me suivre sur le droit chemin, et que je lui dis seulement ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu salam, naam, et surtout des gens de la masse, naam, comme nos mères, naam, ce n'est pas obligé pour elles, qu'elles sachent qu'il y a quelque chose qui s'appelle salaf, et que si on ne suit pas les salaf, on est égaré, etc. L'essentiel, je lui montre ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit le prophète, salam, dans la sunna authentique. Bien sûr, je n'ai pas tiré ça de ma tête, ce sont les savants qui ont dit ça. Mais par contre, pour la personne yani, qui veut apprendre, qui veut avancer, etc., elle a besoin de savoir qu'il y a des sectes égarées, qu'il y a les salaf, pour qu'elle soit toujours yani, sur ses gardes, pour ne pas tomber dans les sectes égarées. Wallahu ta'ala alam. Tfadl. Non, cher, par rapport à la question sur le fait de se dire salafi, la sœur demande quelle est la différence entre le parti et la voix. Tfadha, cher. Le parti, c'est que on est quelqu'un qui va être notre chef et on va lui faire l'allégeance. Que c'est X qui est notre chef et qui nous commande. Et ce chef a des gens qui sont au-dessous de lui. Celui-là, il est le responsable de cette chose, l'autre responsable de cette chose. Et ensuite, on a quoi? On a même un agrément de l'État. Et on a un local, ou alors des locaux. Naam. Et c'est écrit là-bas, notre local se trouve 12 rue, je ne sais pas, Jean-Jacques Rousseau.
L'âme, c'est connu là-bas, on va là-bas, on se rencontre et on fait des rencontres et des, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, des réunions et comme ça. L'âme. Alors la voie, non. La voie, c'est, ça nous suffit de suivre les savants ce qu'ils disent. Sans que on fasse l'allégeance à X ou à Y. On aime tous les savants de Al-Sunna ou Jama'a. Tous les savants, les grands savants, on les aime. Sans qu'il y ait quelqu'un qui commande. Ni que, yani, on va rentrer dans la politique. Quand on a un parti, c'est pour rentrer dans la politique et pour faire concurrence avec les autres partis. Et pour voter, et pour ceci, et pour cela. Quant à la voie, non. C'est une voie, naam. On suit les savants, comme a dit le prophète, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. C'est le hadith de Ibrahim ibn Abdurrahman al-Udri. Naam. Il a dit, yanfuna anhu, tahrif al-ghalin, muntiha al-mubtilin, au ta'wil al-jahilin. Naam. C'est un hadith authentique. Il a cité par al-Bayhaqi, corrigé par al-Albani rahmahullah. Donc, c'est qui va porter cette science? Il a dit de chaque génération, de chaque nation, l'udul, les fiables. Naam. C'est-à-dire par là, ce sont les savants. Et ceux qui suivent les savants, qui sont connus par leur fiabilité. Donc, il n'y a pas de chef et de politicien. C'est une question de savants et de science et de gens fiables dans le dîn. Donc ça, c'est une voie à suivre, tandis que les autres, ils ont un parti meikel, avec yani, les cadres et les responsables et ceci et cela. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que c'est clair. Tfadl. Question suivante, question d'une sœur qui dit qu'Allah Ta'ala vous élève en degré et vous accorde le firdaous cher. Mon mari a beaucoup de waswas, il pense qu'il est devenu mécréant et hypocrite, il sent qu'il n'est pas sincère. D'ailleurs, il ne veut pas me dire ses pensées car il pense qu'en les disant, cela fera de lui un mécréant. Il dit qu'il a des pensées très graves au niveau de la aqida. Il est très souvent pensif, ne rit plus. Et a des fois du mal à dormir. Je lui dis que cela provient de Shaitan, que cela est arrivé même au compagnon, mais ça lui revient. Pouvez-vous le conseiller, cher, afin de l'apaiser mille fois de l'écume? Remarque, il a beaucoup de mal à trouver du travail qui soit en concordance avec la Sunna, et cela a été une grande cause de ses waswas, sachant qu'il ne s'occupe pas et reste pensif. Je vous demande donc, cher, si vous pouvez faire des doigts dans vos prières de la nuit pour qu'il guérisse de ses waswas et pour qu'il trouve un travail qui satisfait Allah Ta'ala afin de faire les causes pour faire la hijra, Inch'Allah, wa jazakumullahu khairan. Fadal Cheikh. Pour faire des doigts dans la prière de la nuit, il faut d'abord que je sois du genre qui prie la nuit pour pouvoir lui faire mal. Prie la nuit. Je dis maintenant. Bien Charles. Salam alaikum wa rahmatullah. On va essayer comme ça et on va voir. Je dis, j'ai dit une fois et je le redis. Et je le dirai toujours que alhamdoulillah, 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 quoi? Alhamdoulillah, que personne ne sort de l'islam s'il ne le veut pas. Alhamdoulillah, c'est une ni'ma. Imaginez que, yani, on puisse nous faire de l'islam même si nous on ne veut pas. C'est pas possible. Quand on prend un revolver, on te le met sur la tempe, on te dit insulte Allah ou je te tue. Tu es libre. Ou bien tu patientes et on te tue, ou bien tu insultes avec un cœur apaisé. Un cœur apaisé. Non. Que je n'aime pas ceci, je suis contre
Je dis dans mon cœur qu'Allah est témoin que je l'aime. Je n'aime pas insulter. Mais c'est à cause d'eux qu'il y a quoi? Qu'il y a une permission dans le Coran que je vais faire cela. C'est tout. Imagine que ça soit possible que, yani, on nous fasse sortir de l'islam sans qu'on le veuille. Et on se trouve éternellement au paradis, kofar. Dans mon cœur, c'est pas ça. Et j'aime Allah et j'aime l'islam. Donc je dis à ce frère, c'est pas possible. Ah, tu deviens mécréant, même si les mots commencent à sortir comme ça de ta bouche sans que tu le veuilles. Et même si tu insultes Allah, et c'est pas toi qui veux. Ah, toi, tu dis non, je suis contre. C'est pas possible. Pour devenir kafir, c'est comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran. Il l'amène au wa qalbuhu bil iman. Il a dit, personne ne devient kafir sauf. Naam, il a dit, même si quoi, si on le force, mais s'il y a toujours dans le cœur l'apaisement. S'il y a l'apaisement. Donc je dis à ce frère, comme dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, le Ouswes, les juifs lui ont dit, les juifs ont dit à certaines personnes que ils n'avaient pas de Ouswes dans leur cœur. Et on a dit ça à Abdullah ibn Abbas. On a dit, les juifs prétendent qu'ils n'ont pas de Ouswes. Il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Le Ouswes, qu'est-ce qu'il va faire dans le cœur des juifs? C'est un cœur plein de shirk et d'égarement. Le Ouswes va aller dans le cœur des croyants. C'est quand toi tu es croyant, tu es mashallah, naam, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des efforts pour l'adorer, c'est là que le shaitan va venir. C'est pour ça que les sahaba se sont plaints aussi au prophète alayhi salam. Ils lui ont dit, il y a des choses dans nos cœurs, si on les disait, on préfère que les cieux tombent. Les cieux tombent plutôt qu'on dise. Il a dit, dhalika mahdul iman. Il a dit, c'est ça le vrai iman. Quand tu as le vrai iman, il y a le ouswas qui vient. Il va essayer de te détruire ce que tu as dans le cœur et de te faire sortir de l'islam s'il peut. Donc je dis à ce frère qui m'entend, s'il m'entend, sois rassuré, bi-idhnillahi ta'ala. Prophète sallam a dit, le shaitan vient chez vous, il commence à lui dire, qui a créé ceci, cela, cela, jusqu'à ce qu'il lui dise à la fin, qui a créé Allah. Donc jusqu'à ce qu'il te fasse le ouswas. Il a dit, si jamais l'un de vous ressent cela, qu'il crachote sur son épaule gauche, qui disent Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Wa Lam Yulid, Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Il a dit, il s'en ira. S'il ne peut pas, il vient dans la salat et commence à te faire des problèmes. Jusqu'à ce que tu saches plus ce que tu es en train de lire et dans quelle rak'at tu as. Il a dit, si quelqu'un ressent cela, qu'il crachote sur son épaule gauche, qu'il dise A'udhu Billahi min Shaitan Rajim. Naam. Et si le shaitan ne peut pas, ni dans le tawhid, ni dans la salat, ni dans ton wudu, ni dans le rost, ni, il te lâche pas. Il va venir aussi dans les rêves. Dans les rêves. Naam. Pour soit te faire peur. Naam. Soit te donner la sûre, qu'on appelle la snatchouf nocturne. C'est pas la sûre nocturne. Hajjak da Pauline, c'est comment ça s'appelle? Naam, Janaba. La Janaba, ça vient aussi du shaitan. Même si c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, elle doit se vider. Naam, des fois, il n'y a pas comment, il y a le rêve. Mais d'un côté, c'est la cause, c'est le shaitan. C'est pour ça que les prophètes n'ont pas de Janaba. Ils ont la Janaba quand eux, ils font la chose. C'est pas le shaitan, il vient leur faire la pollution nocturne. J'ai trouvé le mot, alhamdoulilah, la pollution nocturne. Il n'y a pas chez les anbiya à cause du shaitan. Al-Muhim, je dis à ce frère, alhamdoulilah, naam, ce que tu fais, en étant conscient, ça compte pour toi. Et toi, tu ne veux pas sortir de l'islam, alhamdoulilah. Ce que tu le fais inconsciemment, Allah Ta'ala, la yu'akhidouka alayh. Allah Ta'ala ne va pas te poser des questions, te châtier pour des choses qui viennent en toi et que c'est pas toi qui veux les faire venir. Ce sont des choses qui viennent et des ouswas qui viennent. Seulement, il y a, alhamdoulillah, yani des armes, inshallah ta'ala, pour, yani pour combattre ces ouswas. Je ne dois pas, yani, me laisser vaincre par les ouswas. Je dois faire des efforts. Le meilleur des efforts, c'est de lire le Coran, de lire Ayatul Kursi, de lire le Mu'awwidat,
de ne pas rester seul. Comme on dit ici, on a dit de toi, tu restes comme ça, pensif. Je ne dois pas rester comme ça. Je dois être toujours occupé à lire quelque chose, à entendre quelque chose, à être avec des amis qui sont, mashallah, à sortir, changer d'ambiance, comme on dit. Je sors, je sors, je vais me promener dans une forêt, je vais, je bouge, je laisse pas, je me laisse pas comme ça dans un coin pensif. Car, voilà, il faut s'occuper, occuper son esprit, sortir en famille. Il faut pas rester seul comme ça, enfermé dans un endroit, car le Ouest aime quoi? Aime la personne qui est esseulée. Comme a dit le prophète, alayhi salam, il a dit, Inna shaytana ma'a al-wahid, wa huwa min al-ithnayn. Cheikh l'Albani a dit authentique, le shaytan est avec l'esseulé. Celui qui est seul, le shaytan est avec lui. Il a dit, et il est très loin des deux. Dès que vous êtes deux, il s'éloigne. Dès que tu es seul, il est là. Voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te guide et te guérisse, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Amine, question suivante, question d'une sœur. Cher qu'Allah vous préserve, je voulais savoir la différence entre diffuser la science, comme dit dans les trois fondements, et ce que font les tablighis. Ils vont faire la dawa, donc ils pensent qu'ils ont raison. Comment les réfuter? Tfadal, cher. On les réfute très simplement en disant, comme on dit en arabe, Faqidu shay'in la yu'tih. Celui qui ne détient pas la chose ne peut pas la donner. Naam. Toi, tu n'as aucun sou dans ta poche, tu ne peux pas me donner. Naam. Toi, tu n'as aucune science, tu ne peux pas m'apprendre et tu ne peux pas diffuser. Pour diffuser la science, il faut l'avoir. Toi, le tablighi, tu es l'ennemi de la science. Si on te dit, viens, on va étudier un livre, tu n'acceptes pas. Sauf si on étudie un livre qui s'appelle Nisab Tabligh, qui a été écrit par Kandahlaoui, ton grand chef que tu adores, comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Toi, tu ne veux qu'on lise quoi? Que Riyad Salihin. Et encore, dans Riyad Salihin, tu ne voudrais qu'on lise que les versets qui ont rapport avec le bon comportement. Tu veux faire de nous qu'on soit tous avec un bon comportement, mais sans science. C'est-à-dire, comme on dit chez nous ici, on dit gawri, gawri aql. Tu veux faire de moi un kafir, nam, gentil, gentil avec un bon comportement. Comment allez-vous? Asseyez-vous. Marhaban bikum, nam, rentrez, asseyez-vous. Je vous ramène un café. À quoi ça sert cela si j'ai pas de dîne? À quoi ça sert cela si j'ai pas de dîne? Il veut que tu sois un exemple, mashallah, dans le comportement. Mais viens, on va parler aqida. Tu vas trouver le Tabliri qui a l'aqida des Mu'tazila, des Jahmites, des Rawafid, des Maturidi, des Kullabiya, des Karamiya, des Soufis. Tout ça se trouve dans le Tabliri. Wahdat al-Wujud, Ahsant, Soufi, Wahdat al-Wujud. Tout ça dans quoi? Dans le Tabliri. Donc, comment peuvent-ils apprendre aux gens des choses alors que eux-mêmes n'ont pas appris et que eux-mêmes sont contre la science? Ils sont contre la science. Non, dis-lui, viens, on va lire l'Aqid al-Wasitiya. On va lire Safariniya. On va lire Tahawiya. On va lire Tadmouriya. On va lire Marrakechiya. On va lire les livres de Bntimiya. Il te dit, Bntimiya, c'est le plus grand ennemi qui puisse exister sur Terre. A'oudhou billah. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des tablighis masakin qui quoi? Qui sont loin du dîn, comme le ciel est loin de la terre. Du dîn et de la sunna, comme le ciel est loin de la terre. Tfadhal. Question suivante, question d'une sœur. Ma question est en rapport avec la dawa que quelqu'un nous fait. Si elle emploie la manière dure en nous blessant, le fait qu'on n'accepte pas cette personne, cela veut-il dire qu'on a de l'orgueil? Sommes-nous blâmables dans ce cas? Tfadal cher. On doit accepter ce que dit la personne, mais refuser sa façon de parler. Non. Car la personne, si elle dit, c'est un haq. Si elle dit, par exemple, il faut pas boire de l'alcool. Et elle a cité un verset. Ça, boire de l'alcool, c'est interdit. Donc, je ne dois pas boire. Mais je ne dois pas accepter cette personne
qui est en train de faire la da'wa comme ça, car quoi? Car elle-même, elle-même, elle n'est pas sur la voie droite en cette chose. Elle-même, elle peut quoi? Peut avoir beaucoup de péchés. Pourquoi? Car elle peut me fuir. Et si j'ai fui, c'est à cause d'elle. Il n'y a aucune personne dans le monde qui accepte la da'wa de quelqu'un de violent et de dur. Non. Car ensuite, je ne ferai plus la différence entre ce qu'il dit et sa façon de se comporter. Déjà, à le voir comme ça et à l'entendre, je n'ai pas envie d'entendre ce qu'il dit. Et mon cœur n'accepte pas ce qu'il est en train de dire. Et des fois, je peux être même excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala, car il m'a fait fuir. Non. Et comme, je voudrais vous dire une chose, comme lorsque tu fais da'wa et que Allah ta'ala guide quelqu'un par ton biais, comme dans le hadith de Ali, que c'est mieux que les chamelles rouges. Alors, qiyasul aks, alors quand tu fais fuir quelqu'un du din, c'est aussi grave, c'est très très grave. Comme c'est très très bien de faire entrer quelqu'un dans le din et que tu as beaucoup beaucoup de récompenses, c'est aussi très très grave que tu fasses fuir quelqu'un du din et tu auras vraiment vraiment beaucoup beaucoup de péchés. Il a fui du din à cause de qui? À cause de toi. C'est toi la cause. C'est-à-dire, si tu t'étais tu, tu n'as pas parlé, c'est mieux que de parler dans cette chose. Car en parlant, tu vas le faire fuir. Donc autant le laisser, yani qu'il ne fuit pas, donc tu vas garder la relation entre lui et toi, donc viendra le jour où Inch'Allah ta'ala, il va t'entendre, il va accepter de toi. Mais maintenant que tu le fais fuir, à chaque fois qu'il te voit, il change de trottoir. Même toi, tu ne l'as pas vu, mais lui, il t'a vu. Il va dire, A'oudou billah. Qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Je préfère changer de trottoir. Je préfère même changer de bâtiment. Je ne vais plus habiter avec lui. Je vais changer de ville. Je ne vais plus habiter dans cette ville et ce village à cause de X. Il va s'enfuir. C'est un peu ce que font maintenant Daesh et la clique et les Khawarij et les Rawafid et les Hélé. Les gens fuient de l'islam à cause d'eux. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu commences pas à prier, pourquoi tu n'embrasses pas l'islam un kafir, il te dit, A'oudou billah, les Daesh, A'oudou billah, la Qaïda, la Qaïda. Tu dis, je suis fou, moi. Moi, je rentre en islam pour aller égorger les gens. C'est quoi cet islam dont tu me parles? Vous égorgez des bébés et tu me dis, rentre en islam. Alors, comment qu'ils vont rencontrer Allah Ta'ala, ces personnes? Comment qu'ils vont rencontrer Allah Ta'ala? Et des gens, des milliers, quand Allah Ta'ala va leur dire Yom al-Qiyamah, va dire aux anges, jetez-les en enfer, ils vont dire Ya Allah. Pourquoi? Allah Ta'ala va leur dire, vous n'avez pas voulu rentrer en islam. Ils vont dire Ya Allah, on n'a jamais connu l'islam. On a vu ces gens-là, on a cru que c'était ça l'islam. Égorger, tuer, poser des bombes, couper les mains, couper les cou. Alors on a dit. On a cru que c'était ça l'islam, on a vu que c'était très moche, on n'a pas accepté. Donc tous les autres vont payer aussi avec eux. Tous ceux qui les ont fait fuir vont payer avec eux, Yom al-Qiyamah. Naam, tfadhal. Question suivante. Cher qu'Allah vous récompense. Une femme peut-elle faire une thérapie? Tfadal, cher. En fait, j'ai enlevé le micro. Et peut-être il n'a pas été enlevé, Allahu A'lam, parce que tu parlais toujours, Allahu A'lam. Mousseline, tfadal. Je ne sais pas ce qui s'est passé et si vous avez entendu ce que je disais ou si j'étais déconnecté, Allahu A'lam, mais tfadal. Cher, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu depuis que vous m'aviez bloqué le. Vous m'aviez mis le raid. Vous me l'aviez enlevé, vous aviez quelque chose à dire. Et depuis ce moment, là, on n'a plus rien entendu. Tfadal, cher. Je parlais de comment qu'ils font la da'wa en Syrie, la violence, etc. Et j'ai beaucoup parlé et je ne peux pas tout recommencer. Ce sera pour une autre fois. Tfadal, je te donne le micro, car je croyais que j'étais connecté. Tfadal. Inch'Allah, cher.
Donc je reviens sur la question que vous avez lue. Une question d'une sœur qui dit: Cher qu'Allah vous récompense, une femme peut-elle faire une thérapie avec une sœur psychologue musulmane pratiquante qui n'est pas salafia? Tfadal, cher. Qu'est-ce que ça veut dire ici une thérapie? C'est quoi exactement une thérapie? Et pourquoi quand j'étais tout à l'heure déconnecté, je parlais tout seul, pourquoi tu n'as pas pensé à me prendre, à ce que tu prennes le micro et que tu parles? Non, cher, parce que chez nous, vous étiez présent. On a écrit sur le salon. Donc pour moi, en fait, je n'ai pas pris le micro. Parce que je sais que généralement, quand vous ne voyez pas ce qu'on écrit, hors cours, c'est-à-dire pendant les questions, c'est que vous n'êtes pas connecté. Par contre, je vous ai envoyé un message justement pour vous dire, pour la connexion. Donc, concernant la thérapie, je pense que c'est un programme à suivre. Elle doit lui donner des conseils après, etc. Personnellement, je ne sais pas comment on pratique les psychologues, alhamdoulilah, mais je ne sais pas si la sœur peut donner des précisions. Ah, mais concernant en fait ces séances, il doit avoir certainement un programme. Peut-être que la sœur, la psychologue lui conseille de faire certaines choses, etc. jusqu'à la séance suivante, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Fadachir. Vous m'entendez maintenant, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, pour vous dire la vérité, pour vous dire la vérité, moi personnellement, je ne crois pas aux psychologues. Ni aux psychologues, ni aux psy, comment ça s'appelle, t'as les fous, comment ça, ni aux psychiatres. Je ne crois ni aux psychologues, ni aux psychiatres. Je crois, là, au Coran qui contient la guérison de tous les cœurs. Là, c'est une question de cœur, le cœur qui est malade. Ah, mais maintenant j'ai des ouswas, j'ai ceci, j'ai cela. Je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais des adorations avec sincérité, la prière de la nuit, je jeûne. Allah ta'ala va m'ouvrir toutes les portes, toutes les issues. Mais maintenant, si c'est une psychologue qui est musulmane et qui ne dit pas des choses à la charia et que cette personne trouve, yani, trouve de. Yani, sa raha, yani, trouve. Comment qu'on dit raha? Comment on dit le mot raha en arabe? Trouve son repos, si je puis dire. Se sont apaisés, voilà, trouve le repos et se sont apaisés avec elle. Tout que Allah, elle essaie. Elle essaie. Sinon, il n'y a pas comme quoi, comme le Coran et la Sunna. Il n'y a pas comme le dîn pour, comme on a cité tout à l'heure le verset, c'est une question de poitrine qui est serrée. De poitrine qui est serrée, on trouve une gêne. C'est comme si on montait dans le ciel. Si maintenant Allah Ta'ala veut me guider davantage, et il va me guider davantage si je reviens avec force vers le Coran et la Sunna. Il va me guider davantage. Et vous allez voir comment je vais sentir ma poitrine, masha'Allah, qui va s'étendre et devenir large et vaste, masha'Allah. Et je me sentirai le plus heureux, bi'idhnillahi Ta'ala. Le plus heureux. Comme le verset ici, on fait descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Ah, mes chers, je ne sais pas si vous avez vu, mais le temps est dépassé. Le temps des questions est dépassé. Toi, Dalcher. Encore 5 minutes, inshallah ta'ala, ou les 6. Et il sera 22, 23h chez moi. À 23h, on arrête. Fadal. Ok. Abdelaziz, tu peux rajouter 6 minutes. Fadlek. Donc, question suivante, question d'une sœur. Est-ce que le cheikh aurait la réponse concernant la question? Non, c'est une question, cher, on m'avait relancé là-dessus. Concernant les achats après les fêtes. Les achats après les fêtes. C'est-à-dire pour tout ce qui est nourriture, les jouets. Ah non. Non, 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 c'est différent. Est-ce que le cheikh aurait la réponse concernant la question de la sœur du cours de mercredi dernier par rapport aux cadeaux offerts lors de Noël, qui sont en dehors de la nourriture, comme les jouets, les vêtements, l'argent, etc. Ah, mais je pensais, cher, donc par la même occasion, si vous avez la réponse concernant les achats,
car ça concerne beaucoup de personnes. Tfadal, cher. Je leur promets, Inch'Allah Ta'ala, que je chercherai dans ces deux choses. Acheter une chose après Noël et le cadeau pendant la Noël. Mais aujourd'hui, je voulais chercher et je n'ai pas trouvé la question. Aujourd'hui, je voulais chercher, je n'ai pas trouvé la question. Année, comme ça, dans ma tête, j'ai oublié c'était quoi la question. J'ai essayé de me rappeler, je n'ai pas pu. Et je n'avais pas les moyens de chercher année, dans mon ordinateur. Mais Inch'Allah Ta'ala, c'est dans mon intention. Voilà, envoie par mail les deux questions. Cadeau pour la Noël et acheter après la Noël. Car si c'est permis d'acheter après la Noël, je vais faire un tour chez vous et acheter 10 ou 20 bûches et manger une bûche le matin, une bûche à midi, une bûche le soir. Naam. Fadal. Non, cher, juste au passage, ça a fait sourire ma femme lorsque vous dites la Noël. Parce que généralement, on connaît le jour de Noël et ça l'a fait sourire. Je vous lis la question suivante, cher, question d'une sœur. Ma question concerne le cours dernier sur le bon conseil. Cela fait 13 ans que je conseille mon mari dans le bien, mais il ne m'écoute vraiment pas et on entre très souvent en conflit. À cause de cela, pourtant je lui conseille de la meilleure manière que je puisse. Je suis arrivé au stade où je ne le conseille plus du tout. Je le laisse dans ses péchés. Que me conseillez-vous, cher, lui porter conseil malgré cela ou laisser méditer seul? Tfadal, cher. Des fois, quand la personne, on lui donne des conseils et elle ne veut plus suivre, on en a marre d'elle. Non. Et on dégoûte et on dit, là, j'en ai marre de lui. Non. Et je n'ai plus envie de lui faire des conseils. Ça arrive à tout le monde. Non. On est humain, on est faible. Mais n'empêche que celui qui peut endurer et donner des conseils, non. Yani, c'est le meilleur de nous. C'est pour cela que je dis à cette personne, si de temps en temps, non, quand tu vois que le moment est opportun de donner des conseils, toi, sache que à chaque fois que tu as des conseils, tu as des récompenses. Donc maintenant, c'est à toi de voir est-ce que tu veux les récompenses ou tu n'en veux plus. Non. Fadal. Et je n'ai pas bien compris par rapport à Noël. Est-ce que je dois comprendre de toi qu'on ne dit pas la Noël? Fadal. Non, cher, c'est bien cela. On ne dit pas en fait la Noël. On dit généralement le jour de Noël. Lohan. Ou Noël tout court. On dit le jour de Noël ou alors on dit Noël. Question suivante, cher. La sœur ou le frère dit, cher Hafizakumullah, ma question est, par exemple, une sœur qui est ignorante du minhaj. Qui est totalement ignorant du minhaj et qu'elle écoute n'importe quel imam de l'égarement, elle est en totale ambiguïté. Et lorsque je la vois porter le hijab, mais pas dans les règles, veste par-dessus par exemple, avec un pantalon en jean, dois-je lui faire sur le moment la nasiha sur son voile en lui disant que c'est loin d'être le voile shar'i ou commencer à lui faire une réelle nasiha en partant du début? En lui disant d'étudier sa aqida sans ambiguïté et faire attention aux imams de l'égarement et par la suite lui faire nasiha sur la manière de porter le jilbab shar'i. Shar'i. Tfadal, cher. Naam, Ibn Mohammed. Donc, barakallahu fik. Si ce que tu es en train d'écrire, c'est bien le cas, donc ça revient à ce qu'on disait que le cheikh avait un très bon niveau de français, Allah ibarak, et qu'il nous apprenait même le. Et même là, c'est une preuve qu'il a commencé ses cours de français avec nous, Masha'Allah. Donc, si la Noël, personnellement, moi, depuis que je suis enfant, j'ai, personnellement, avant que le cheikh emploie ce terme, je n'avais jamais entendu la Noël. Et je pense que tous ceux qui sont présents, ou beaucoup de ceux qui sont présents, sont dans mon cas. Allahu a'lam. Alhamdulillah, donc c'est très bien si c'est comme ça. Assalamu alaikum wa Taïb, c'était quoi la question, Muslim? C'était quoi la question? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
La question, c'était sur le jilbab et la aqida. Est-ce que vous avez besoin que je vous relie toute la question ou c'est suffisant? Tfadal, cher. Non, il faut redire, inshallah ta'ala. D'accord. Donc c'est la question d'une sœur. Hafizakum Allah, ma question est par exemple une sœur qui est ignorante du minhaj et écoute n'importe quel imam de l'égarement. Elle est en totale ambiguïté lorsque je la vois porter le hijab, mais pas dans la règle. Par exemple, veste par-dessus, pour faire sur le moment la nasiha sur son voile en lui disant que c'est loin d'être un voile shar'i, ou commencer à lui faire une réelle nasiha en partant du début, en lui disant d'étudier sa aqida sans ambiguïté et faire attention aux imams de l'égarement, et par la suite lui faire une nasiha sur la manière de porter le jilbab shar'i. Tfadal cher. Si c'est une personne avec laquelle on a une relation et qu'on sait qu'on va être souvent et je vais la voir souvent, non, je vais commencer à essayer de quoi, comment me faire aimer d'elle. Comment, yani, être, yani, être courtois avec elle, être plaisant, être, comment, yani, attirer son cœur pour que, yani, elle commence à pencher vers moi et à accepter de moi par la suite quand je vais parler. Car s'il y a une froideur entre elle et moi, là, il faut que je fasse da'wah, mais ce sera toujours plus difficile. Mais si par contre, yani, je commence à l'inviter chez moi, je commence jusqu'à ce qu'elle commence à me faire confiance. Là, à chaque fois que je lui parle un peu de din, alhamdoulilah. Maintenant, il y a une chose. Si c'est elle qui me pose la question, elle me dit sûrement hijab, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est shar'i? Je dois lui dire que franchement, carrément, yani, je t'aime le bien, c'est pour ça que je te dis qu'il n'est pas shar'i. Voilà le shari, comment qu'il doit faire. Mais si maintenant, yani, elle ne m'a pas encore posé cette question, et je suis dans la phase où je suis en train de l'attirer vers moi, hein, j'attends un peu qu'elle accepte de moi et que, yani, elle ait confiance en moi et qu'elle commence à accepter de moi. Et je lui fais dawa comme ça gentiment, yani, sur le hijab, avec, sur le djilbab, avec, yani, douceur et avec. Je ne lui montre pas que je la complexe, que moi je suis le djilbab, donc moi je suis déjà au paradis, et qu'elle avec sa liquette ou comment ça s'appelle, si elle me reçoit en enfer, comme ça elle ne va pas accepter de moi. Je vais aller doucement, doucement, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je viens de lire ici que l'autre il a dit, il existe le mot la Noël. Je voudrais dire que. Depuis toute mon enfance, je connais ce mot qui est féminin. Depuis toute mon enfance. Là, maintenant, si peut-être que c'est pas le vrai mot, Allahu subhanahu wa ta'ala. Je profite aussi, musulman, puisque tu m'as corrigé cette chose, si ça se corrige, de te corriger aussi une chose, dans le sens que œil pour œil, dent pour dent. Et. Ce n'est pas, non, ce n'est pas, yani, œil pour œil, dent pour dent, mashallah. C'est juste, yani, pour, voilà, une petite revanche. C'est juste pour que, yani, et je demande à toute personne qui est dans le site, avec nous dans le salon, quand je fais une faute, de me corriger. Pourquoi? Pour que ça soit une faïda pour tout le monde. C'est bien de se corriger. Non, moi je dis par exemple, c'est une porte, alors que c'est une porte. C'est pas bien de me laisser dire comme ça. Faut dire, voilà comment on dit, une porte, c'est féminin. Et les autres, alhamdoulilah, vont tous quoi? Une faïda pour eux. Naam. Donc c'est pour ça que je vais corriger un musulman une faute, en espérant que, inshallah ta'ala, très bientôt lui aussi, il m'en corrigera une autre. La fois passée dans le cours, je vais prendre. Ah, ça. La fois passée dans le cours, en parlant de. Je ne sais pas, des choses qui rendent ivres, etc. Tu as employé le verbe enivrer. Tu as dit enivrer. Alors qu'en fait, c'est enivré. Non, en fait, ça se prononce enivré et ce n'est pas enivré. Non. Toi, dans l'inshallah ta'ala, si tu as, il y a une dernière question. Sauf si tu veux, tu dis que ce n'est pas enivré, c'est enivré, que tu as dit dalil, ça c'est autre chose. Toi, là. Non, ça, cher, j'ai pas du tout le souvenir de l'avoir employé, mais surtout n'hésitez pas, c'est pareil.
L'aïbarek, vous avez certainement un meilleur niveau en français que moi. Et quand je fais des erreurs de langue, il n'y a pas de souci, corrigez-moi, Inch'Allah. Au contraire, c'est mieux. J'ai vraiment pas le souvenir d'avoir employé ce mot. Tfadal, cher. Donc moi je suis très sûr que tu l'as employé au moins deux fois dans le cours passé. Là, tu as dit enivré, hein, ensuite une autre phrase, ensuite tu as dit enivré. Là, il y a la cassette, il y a la cassette. Bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant c'est moi qui me trompe et que j'ai une mauvaise, là, comment on dit ça, il y a une mauvaise mémoire. Naam, ou mémorisation. Dans ce cas, c'est une faïda. Donc, qu'on ne dit pas enivré, on dit enivré. C'est une faïda, donc c'est tout. Fadal, inshallah ta'ala, pour la dernière question. Non, cher, c'est bien possible. L'Oualem, c'est peut-être inconsciemment, mais justement, si c'est inconsciemment que j'ai fait cette erreur, c'est que je l'ai souvent faite. L'Oualem, et barakallahu fekoum, et surtout, n'hésitez pas, cher, il n'y a pas de souci. La seule fois, et je me rappelle, ça fait très longtemps, ça fait quelques années que vous m'aviez corrigé, et là, c'était pareil, c'était une erreur de frappe, mais ça m'avait bien étonné. Je vous l'ai dit la dernière fois, votre niveau de français m'a toujours étonné. J'avais écrit phalange, phalange sur le salon avec un F et vous me l'aviez corrigé en me disant c'était PH. Et ça je m'en rappelle, ça fait peut-être 4-5 ans, on l'a même. Tfadal cher. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que ça ne rentre pas dans l'ostentation si je vais vous dire que quand j'étais en Allemagne, j'ai corrigé aux Allemands leur allemand. J'ai corrigé aux Allemands leur allemand. Mais Hadi, c'est une chose normale. Pourquoi? Parce que il y a des Allemands, il y a des Français, il y a des Anglais ou là, mais c'est-à-dire, ne connaissent pas la langue, yani, du côté littéraire. Ils connaissent la langue, yani, de rue. Ils l'ont appris comme ça dans la rue. Donc c'est normal. C'est pour ça que vous trouvez des Français, par exemple, qui peuvent te corriger ton arabe, si mon arabe n'est pas littéraire. Vous comprenez? Si mon arabe n'est pas littéraire, si mon arabe n'est pas littéraire, donc, ils peuvent me... Il y en a un Français qui connaît bien le français, même des Juifs. Il y a des Juifs, on les entend parler, des fois, ils parlent l'arabe, il y en a littéraire à 100%. Donc, il connaît mieux que ma mère, mieux que mon voisin, mieux que l'arabe. Ce qui me déplaît aussi, je vais corriger maintenant une ou deux fautes très, très, yani, qui sont très, très commises par yani, des Français. Et aussi dans le salon, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui font cette faute. Faute yani, impardonnable, impardonnable, mais ils la font. Une faute très simple, et je vais vous la montrer, deux ou trois fautes très très simples que beaucoup, beaucoup de monde ont fait. Par exemple, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, par exemple, c'est moi, je donne un exemple là, c'est moi, c'est moi qui a mangé, par exemple, le gâteau. Qui a mangé le gâteau? Tu dis, c'est moi qui a mangé le gâteau. C'est pas possible. C'est moi qui ai mangé. Voilà. C'est moi qui ai mangé. Parce qu'on dit j'ai mangé. C'est moi qui ai mangé. On ne peut pas dire c'est moi qui ai mangé. C'est moi qui a fait cette chose. C'est moi qui a vu. Non, c'est moi qui a vu telle chose. C'est toujours et. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai mangé. C'est moi qui ai bu. C'est moi qui ai parlé. Et comme ça. Maintenant, si on parle de quelqu'un, toi, on lui dit c'est toi qui as, avec AS. C'est toi qui as fait cela, c'est toi. Non. Maintenant, si on parle de nous, on dit c'est nous qui avons, parce que quand on conjugue le verbe avoir, je lui dis j'ai, tu as et là, nous avons. Donc, c'est nous qui avons dit cette chose, c'est nous qui avons mangé, c'est nous qui avons bu. Et comme ça, c'est vous qui avez. Et la même chose, la deuxième faute, quand il dit par exemple c'est moi. Par exemple, il te dit, c'est moi qui, par exemple, il te dit, c'est moi qui ai monté, voilà. Il te dit, par exemple, c'est moi qui ai monté.
C'est moi qui ai monté dans le bus. C'est moi qui est monté sur l'ascenseur, là dans l'ascenseur. C'est moi qui ai monté. C'est moi qui ai monté parce qu'on dit j'ai monté. On dit j'ai monté ou bien on dit je suis monté sur le bus ou là dans le bus. On dit je suis monté. On ne peut pas dire c'est moi qui ai monté. Non, c'est moi qui suis monté. C'est moi qui. On ne dit pas c'est moi qui ai malade. C'est moi qui suis malade. Parce que je suis malade. Je suis nerveux. C'est moi qui suis nerveux. Des fois, c'est moi qui est nerveux. Non. Moi-même, des choses très simples comme ça et beaucoup de choses se trompent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous apprenne. Donc c'était quoi? Est-ce qu'on a dit la dernière question? La dernière question, est-ce qu'on l'a dite? Je vous donne le micro. Non, Baraklof, comme vous en parlez, c'est pour ça que parfois je demande en fait aux frères et sœurs de faire attention à leur rédaction, la rédaction des questions qui est très importante, parce que forcément parfois quand on lit la question, on fait des erreurs de langue parce que la question est rédigée de cette façon. Donc on lit inconsciemment sans très important. Le fait de bien rédiger les questions, ça facilite la lecture et ça évite justement les erreurs de langue. Voilà. Donc, cher, la dernière question, je vais vous la poser. Donc, c'est la question d'une sœur convertie qui dit: Je suis une femme de 26 ans, convertie depuis 4 ans, et je vis chez mes parents avec mon mari depuis 2 ans. Mon frère de 11 ans s'est converti à l'islam à l'âge de 9 ans, il y a donc 2 ans. Il est très sûr de son choix, walhamdulillah, et il croit en Allah avec grande force. Il sait que c'est lui qui lui donne tout, qui crée tout et qui gère tout. Je lui ai enseigné les bases du tawhid et je lui explique l'islam dès que je peux, et cela en cachette. Naam Fawzi, tu m'as pas envoyé la suite. Allah ybarak, par rapport à ce que je viens de lire, mashallah, mais il n'y a pas la suite, il n'y a pas de question de là-dedans. Et vous voyez, cher, la question est bien rédigée, mashallah. Il n'y a pas d'erreur de langue. Envoie-moi la question. Donc surtout, c'est une nasiha et c'est un conseil. Il faut pas mal le prendre. Comme le cher vient de me corriger, j'essaie de vous transmettre ce message. Rédigez bien vos questions. Et si vous savez que vous avez un niveau, pas un très bon niveau en français, n'hésitez pas à demander aux membres de votre famille, parce que je sais que vous suivez les cours en famille. Il n'y a pas de honte là-dedans. Non, donc, si tu n'as que ça, Harry, demande à la sœur. Ah, mais je la vois. Je m'en dis. Non, cher, donc je viens de contacter la personne qui a posé la question. Donc, je peux, et cela est en cachette. Donc, la suite, hein, cher. Il ne mange plus de viande interdite et ne fête plus les fêtes de mécréants, telles que les anniversaires et les Noëls. Mes parents commencent à ne plus supporter la situation. Et lui font du chantage pour qu'il mange et me disent que je n'ai aucune part dans son éducation. Quel conseil nous donneriez-vous pour cette situation? Je ne veux pas agir sur le faux. Y a-t-il une facilité qui existe en religion? Doit-il manger ce qu'il lui donne comme nourriture haram? Ou doit-il préserver sa voix? Que dois-je lui dire? Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Par sa permission, beaucoup de vos réponses nous ont aidés, mon mari et moi, dans notre compréhension de la religion. Alhamdulillah. Tfadal, cher. Et cher, une erreur qui est souvent faite, parce que je viens de lire ça dans sa question, quand on dit moi et lui, il faut dire lui et moi. Tfadal, cher. Ça, c'est comme ça qu'on dit. On commence toujours par l'autre. On dit, mon ami et moi avons fait cette chose, avons acheté cette chose, et comme ça. On ne dit pas moi et mon ami. Ou là, moi. Non. Par rapport à ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et lui facilite, il est dans le djihad, comme on a dit tout à l'heure, il a le djihad,
ici avec ses parents. C'est pas le djihad en le sens qu'il va les tuer et les décapiter, mais le djihad, c'est-à-dire dans le sens où il doit patienter avec eux. Patienter et avoir beaucoup de sagesse et même, disons, de ruse charaïa, légiférer pour trouver et une solution à son problème. Donc je lui dis, il n'a pas le droit de manger. Il n'a pas le droit de manger. Et je dis à cette sœur, qui est cette sœur, de Yanni, qu'elle peut lui, Yanni, disons, lui interdire et lui dire que c'est pas bien de manger, même si quelqu'un va dire, mais il a 11 ans, il n'est pas encore pubère. On va lui dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec un de ses petits-fils, le Hassan ou bien le Hussein. Il marchait presque, comme on dit, sur ses quatre pattes. Il a pris une date. Le petit a pris une date. Le prophète Hassan lui a dit, kr. On dit kr comme ça. En arabe, ça veut dire jette. Kr. Ça se mange pas. Comme ça, on dit. C'est pas comme on dit en français. Il lui a dit kr. Comme ça, jette. Il lui a dit, ne sais-tu pas que nous, Ahl Bayt, les gens de la maison, on ne mange pas, yani la sadaqa, on ne mange pas, yani la zakat, on ne mange pas ce que donnent les autres. Car cette date, il était possible qu'elle provenait de la zakat. Même ce que je veux dire, ici il était tout enfant, peut-être il avait 2, 3 ans, 4 ans, tout juste il comprenait ce qu'il lui disait. Il a dit, kerker, ne mange pas, jette. Donc qu'en est-il si c'est maintenant du porc ou de la viande qui n'est pas halal ou quelque chose comme ça. Même un enfant, on doit lui apprendre comme ça très jeune. Dès qu'il commence à dialoguer, à comprendre un peu, à raisonner, on lui commence à inculquer les fondements et les bases dans son cœur pour qu'il grandisse. Quand il grandit, il accepte facilement. C'est pas on le laisse jusqu'à 20 ans et 25 ans, on va lui parler du din. Maintenant, là, il est tordu. Tordu est très difficile à faire revenir. Mais quand il ouvre les yeux, voilà. En même temps, ça ne sera pas quelque chose d'étrange pour lui. Très jeune, ses parents lui ont appris que ça c'est haram, ça se mange pas, ça c'est bida, ça c'est ceci. Naam. Et on l'encourage dans l'autre sens. Quand tu fais ça, Allah Ta'ala aime. Quand tu pries Allah Ta'ala, il te récompense, il te fait rentrer au paradis, et comme ça, pour l'encourager aussi. Pour l'encourager aussi. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, lundi, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala rallonge dans notre vie. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, fikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.